Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission, euh, une nouvelle émission Canard PC. Euh, alors attendez, je récupère mes esprits, euh, non, parce que j'avais froid donc j'ai pris un petit plaid et là ça va beaucoup mieux, ça va vraiment, ça va beaucoup bien mieux. Hein. Merci, euh, micro -fibre. merci, euh, ouais microfibre alors euh, vraiment euh, super doux, impeccable. C'est très très bien. Euh, donc, émission Canard PC, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous allons parler de l'actualité du gaming. On aura deux quiz, on va parler des normes dans le jeu vidéo et on va parler de nos jeux du moment. Voilà, je vous fais un petit peu le résumé de l'émission. Euh, avec moi ce soir, eh bien, il y a... je vais commencer par... Je vais commencer par mon favori. <laughs> non, vous êtes à égalité dans mon cœur. Mais je vais ah. commencer par isuel hein, quand même. Ah. Ça va Isu, tranquille Ça moi, va, ça va pas, très hein. bien, merci bon. de m'avoir invité. Oh bah écoute, je t'en prie, <rire> <rire> ça me fait plaisir. Euh, et, puis, euh, et puis avec moi aussi, Louis Ferdinand Sebom. Ça va Oui, ça va. Et Louis Ferdinand bien eh aujourd'hui... Il ouais. y a 40 ans. Oui, c'est aujourd'hui. Ah, oui, ça y yeah. ouais. ouais. Mais c'est pas moi qui suis dans un plat. Happy birthday, <laughs> Mr. President. <laughs> <laughs> euh, ouais. être longue, cette émission ça va être très long. je m'en relèverai pas ça m'arrive. bien sûr ça relèvera pas le pire adversaire ouais donc 40 ans c'est bien 40 ans c'est vrai ça y ouais. est tu rentrais dans avant, le club tu même. me disais avant l'émission que ça te faisait rien que tu te ah, oui. ouais non ça c'est différent rien. Euh, au vieillissement Je sais qu'il y a des gens ici quand ils ont eu 50 ans ça a été un peu dur psychologiquement oui, bah, pour Bah ils eux. Ouais les 60 euh... était encore pire mais 60 ils ont mal vécu beaucoup Mais moi aussi 40 45 ça m'a pas dérangé c'est vrai que tu 45 toi Ouais mais l'âge n'est qu'un nombre. qu'un exactement la D'être jeune dans sa tête Exactement, et d'avoir un mais le la, Voilà, c'est la jeunesse du cœur. Et à Canard PC, on est jeune dans notre cœur. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire Je dois vous dire plein de choses avant que nous commencions cette bien belle émission. La première chose, c'est qu'on a une enquête lecteur. Euh, vous allez sur euh, le lien qui vous sera donné sûrement par un, par un modo, par un gentil modo, qu'on leur fait un bisou d'ailleurs. Euh, et pourquoi cette enquête lecteur est importante Eh bien, parce que ça nous permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et d'adapter le magazine, le site web, les émissions en Fonction de euh, tout ça, il ah, faut s'adapter après. Oui, non, mais ça va être à nous de nous voilà. adapter. S'ils nous disent euh, On veut que vous testiez plus que les Battlefield et les Call of Duty. Et <laughs> eh ben, c'est bon, on ah, va avoir là, du je boulot. Pas, <laughs> je me colle déjà. <laughs> euh, voilà, donc si vous avez 5 minutes pendant cette émission, par exemple, je vous le dis, je, je vous spoil. Pendant cette émission, il y aura des temps morts. Voilà, à un moment, Non. en général, Sebom prend, par... prend la parole. <laughs> et là, voilà, on ben s'installe. On s'installe, les vieux. On sait que ça va se passer <laughs> comme ça. Donc, Quand Sebom prend la parole, vous allez, voir, vous allez euh, sur le, le lien qui vous est fourni sur le chat et vous euh, répondez à nos petites questions. Euh, ça nous fera très plaisir. Je dois aussi vous dire que Canard PC, c'est une émission c'est aussi bien sûr euh, un site web, canardpc.com. Abonnez-vous parce que tout est derrière un paywall. C'est aussi des magazines. Euh, ça vient d'arriver en kiosque. Il est Canard très beau. PC hein. numéro 436 avec Callisto Protocol. Ouais. Euh, alors moi, je ne vois, je vois que Ballisto. Voilà, je ne <laughs> oui. comprends pas. C'est quoi Callisto C'est qui C'est l'une des lunes de Voyons, ah. ah. toi qui es oui. fan d'astronomie oui, d'accord, ok. Callisto, lune mmh. de Jupiter. Okay. C'est vrai que nous okay. as fait un très beau montage en interne. Tu as tout remplacé par Balisto. Je... Eh ben, oui, et et je, trouve que, la très très je ouais. trouve que la couve avait plus de pêche comme ça. <laughs> si on met une grande barre Balisto comme ça, je trouve que c'était ouais. plus marquant. Euh, donc, The Callisto Protocol par les créateurs de Dead Space. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre Moonbreaker, on en a parlé pendant l'émission d'avant. On a Eplectel Requiem, le nouveau jeu d'Asobo qui vient de sortir. Gotham Knights, ça, je crois que c'est. Hein <laughs> euh... C'est bien, bien. <laughs> Si, 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 j'ai fait un super article j'ai fait un super article vachement bien sur les mini-claviers où je passe oui. notamment tous les hein qu'il est bien ouais, où je passe ouais. notamment tous les, les claviers les plus exotiques de la communauté Canard PC euh, et vous allez voir il y a des modèles absolument en fait, euh, splendides tes articles par les lecteurs ils ah ah le mets en forme ça. et tu touches un j'ai fait un tribunal des bureaux au spécial mmh. tribunal des claviers ils m'ont envoyé tous leurs claviers et je me suis dit oui. <laughs> <laughs> et, bah, et bah voilà, deux pages qui vont être rapidement écrites. Et hop là ah Non mais franchement, l'article est vraiment cool. Il y, a, si... il, y a, il y a des claviers incroyables. Ouais, si y les y gens claviers... dans le chat là se disent, ouais non, un article sur les claviers, ça m'intéresse ah, vraiment. Non, lisez, c'est vraiment Vous génial. allez voir ce que font des artistes du clavier custom. Alors vous avez des, des claviers ortholinéaires, des claviers avec des touches bizarres et tout. Euh, c'est vraiment. Moi, ça m'a moi, ça ouvert de nouveaux horizons. C'est intéressant ce que tu racontes sur le, le fait que plus un clavier est petit, plus il y a de confort en fait. Euh, ouais, alors qu'instinctivement, on, on pense l'inverse. Parce que sinon, t'es comme ça en fait. Ouais, dans ça. Ton clavier, c'est ça. Moi, je peux pas vivre sans pavé numérique, par exemple. Bah, bien si. euh, je, je le croyais aussi. Je me ouais. disais une fois un pavé numérique. Tu peux très bien vivre sans un pavé numérique. Tout est dans la tête. C'est bon, tu peux sortir de, du dictat du pavé numérique. Au pire, tu prends le les numériques euh, à part là. Ouais, mais, c est c est oui, mais coup, tu, tu résous pas le problème. Bah, non, mais non. Tu, tu, tu le mets derrière ton clavier, comme ça, tu gardes la largeur, tu vois. Ouais, mais euh, ça, fait, ça fait un périphérique en plus à bah brancher. Ouais. Et tout. Ouais, et vous, si au vous, final, t'en as pas si besoin. faut passer la main au-dessus du clavier pour appuyer sur les chiffres, c'est pas en as pas besoin. Ouais. Euh, <rire> <rire> il y a aussi un hors série jeu de plateau qui est sorti. Euh, ben là, là, voilà, voilà, il est daté novembre-décembre 2022. Euh, voilà, bon, alors c'est du jeu de plateau. Moi personnellement, euh, je ne sais pas quoi vous dire. Ça te voilà. passionne. Voilà, on sera bien content de les avoir quand il n'y aura plus d'électricité. Certes, c'est vrai. Euh, en avantage. février, quand Poutine nous aura tout coupé, ben voilà, on jouera mmh. à Magic et à <laughs> Flesh and Blood, les alternatives du jeu de cartes à collectionner. On en profite pour faire un bisou à Canlost, euh, qui, qui a écrit... Euh, <laughs> tout et dans a série. En <rire> et <rire> enfin, pas nous avons peu. un canard PC hardware. Alors là, bon, là c'est le rêve. Euh, <laughs> les questions qui fâchent d'abord, l'upgrade est-il mort Mettre à jour ou changer totalement de PC Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous changez totalement vous, de PC ou est-ce que vous mettez à jour C'est bon Non, généralement. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas changé la carte. Mais ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en fait, justement, je change carte graphique, je passe au SSD tout ça. Ouais. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un Core i7, mais qui date Et... de l'invention du Core i7. Quoi. Ouais, 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 ouais. Un truc, il est vieux. Vieux, ouais. vieux, Et du coup, je suis CPU bridé par, pour tout. Ouais. Parce que en fait, il aussi aussi arrivé au stade où tu n'as pas envie de payer pour tout changer. Et t'as la flemme de tout démonter. De tout parce que c'est oh, tellement chiant. De avec une les, carte mère. Les, ouais, ouais. Et puis les fils de la lime. Et puis faut et le la ouais, et Alors que je changeais une carte vidéo, c'est clac-clac. Et, et là, ouais. Mais euh... ça, tu vois, à 25 ans, ça m'excitait. Je me dis oh, j'avais mon châssis ouais. et tout. Alors là, maintenant, je vois, les, je vois les, les trucs qui arrivent, et les, les colliers, le DLC qui arrivent et tout. Et tu te dis, ouf, allez, faut y aller, faut que tu t'écorches les mains. Tu, tu ah bah c'est les... nous, les quadras, on a une peau tellement fragile. On a mal aux mains. Mais oui, moi je suis comme ça, tu sais, j'ai un ouais. verre progressif. Ah oui. Donc je suis comme ça. Je suis obligé d'utiliser le, le bas de mes verres. Donc, euh... Mais euh, on en rigole, mais ceci dit, c'est une question vraiment centrale pour nous qui jouons sur PC, parce que on nous vend... Enfin, le, P... le jeu sur PC, on le vend en disant... De toute façon, euh, c'est pas comme les consoles. Vous allez pouvoir acheter des nouveaux composants pour changer, améliorer votre PC, mmh. etc. Mmh. Et continuer à jouer euh, indéfiniment. Mais en fait, euh, du coup, bah, voilà, ce qu'explore qu euh, le dossier, c'est de se dire, bah en fait, c'est pas exactement vrai parce qu'il y a plein de limites en fait euh, oui. à l'upgrade. Euh... Et puis tu as les changements de, de format de carte mère, les changements de format de CPU. Voilà. Et oui, oui, donc... tu changes un truc, faut tout changer. Ah, ça ouais. faire... Tu dis, oh, non, non mais mais je vais. Voilà, je... voilà, voilà, comment on nous pousse à la consommation. Mais vous. Je veux juste changer le CPU. Ah bah oui, mais c'est plus la même socket sur la mmh. carte mère. Du coup, faut aussi changer la RAM. Du coup. Ouais. Mmh. Le bon, système capitaliste est devenu fou, je vous le dis. Euh, je pense que nous sommes bons, j'ai fait choc, choc, choc. Les amis, je vous propose que nous entamions une revue de l'actualité chaude du gaming dans notre région. Et par quoi allons-nous commencer Eh bien, nous allons commencer par une, une nouvelle qui vient de paraître euh, à l'instant. C'est toi qui viens de me le dire. Tu m'as dit oui, « Agbouz, stop, et rotative, il faut refaire l'émission ». Jason Schreier euh, vient d'annoncer qu'une suite à Deus Ex était en développement eh bien, bien, euh, bien oui. bah, je, perso, je suis content de le savoir. Ah, il faut savoir que ouais. quand j'ai annoncé ça, Monsieur Chat a bondi de sa chaise Et en faisant un à... Il était très content. Mais, Mais je dirais aussi qu'il me semble que c'est moi qui ai testé le tout dernier Deus Ex. Et et moi, DVD, DVD. Voilà, et moi j'avais adoré, parce que j'aime bien tous les Sexes. il y a plein de gens qui avaient dit nya, mais non c'est pas comme les bons Dou Sex, les Dou Sex d'avant c'était mieux. Alors qu'en fait non c'est vachement mieux, c'est juste les, les lunettes de la nostalgie qui font que... Euh... Je... Euh... Et... Il, il était bien comme le premier Deo Sex. Tu n'as pas choisi le bon public ouais. à qui dire ça parce que c'est mémoire. Le premier Deus Ex, il est irrejouable. Non, pas du tout. Non, 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 peu, non il y a eu plus il de, de mode Je l'ai refait l'an dernier, ouais. euh, n'importe quoi. Non, non. Il est laid. Oh là là, non, il bah, est moche. Les, oui, bah, oui, les, les, euh... les niveaux sont minuscules. Le, le niveau Battery Park, là, euh, oui, 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 le oui. truc c'est un timbre-poste. Tu te dis Battery Park, j'arrive à New York et mm. tout. On va montrer, on va montrer du, du terrain, la carte. C'est assez linéaire en Donc, vrai. C'est 20 mètres carrés le niveau. Mais moi, je pense que c'est surtout des jeux assez différents. Ce qu'ils ont fait avec la nouvelle, bah, du coup, trilogie, ce qui va être une trilogie, ah ouais. c'est juste pas les. Ils essaient pas de faire les mêmes choses en termes sim, etc., que le faisait le tout premier Deus Ex. Mais ça reste des très bons jeux. Moi j'ai adoré les deux les deux les deux jeux. C'est pas dégueu quoi, c'est pas il y a pire. Non, c'est très cool. c'est bon un truc à dire sur cette nouvelle suite du De toute façon, on en sait rien. Attends, on voir. C'est Square Enix du coup Ouais, Square Enix c'est qu'on est droit de Ouais. Mais ils se sont fait racheter, là. Par qui non, je dis non, de vrai que peut être pas. sur le chat ils vont nous le dire. Je sais plus, j'ai pas révisé, voilà. Ouais, moi j'avoue que moi non plus là, je commence à perdre plus savoir qui rachète qui euh, ou je crois qu'ils se sont échappés de leurs gros éditeurs. Enfin bon bref, voilà, c'est micmac Mac des, des gens avec beaucoup, beaucoup d'argent ça nous ça nous regarde pas. Euh, alors, on va commencer avec une alerte consommation. Est-ce que vous avez suivi l'affaire des 4090 Euh non, non. J'ai des bombes tu pas suivi Non, parce que justement, je n'ai pas du 4090. Voilà. C'est <laughs> quand même 2000 euros la carte. Et pour 2000 euros la carte, tu as droit à un câble pourri qui fond. Il y a plein d'images. Je pense que ça va pouvoir nous la, nous la passer. Alors, c'est arrivé. Ça, ça a commencé il y a, je crois, une dizaine de jours sur Reddit. Les premiers témoignages sont arrivés. Euh, alors, il faut savoir que la 4090, elle pompe de l'énergie, mais comme aucune carte dans l'histoire de l'humanité n'a jamais pompé de l'énergie, et du coup ils se sont dit on va faire un petit câble spécial pour nous. Alors c'est pas Nvidia qui l'a fait, c'est un consortium de constructeurs qui a fait ce câble. Le problème, c'est qu'il y a quand même trop d'énergie par rapport à la tolérance du câble. Et si vous coublez, si vous coube, si vous courbez, pardon un petit peu le câble, ce qu'on fait toujours quand on monte un PC, oui. quand il faut que tu montes un PC, tu sais, il faut que tu tu, tu tu refermes le truc, et ben ça crée des soucis et le câble se met d'abord à flamber un petit peu et puis euh, à fondre. Alors évidemment cette touche une toute petite minorité de gens, mais il y a quand même de plus en plus de photos qui sortent. Nvidia est en train d'enquêter. Donc, c'était pour faire une alerte conso, pour vous dire, si vous voulez acheter une 4090 à 2000 euros, vous attendez un petit peu. Voilà, vous mmh. attendez quelques semaines parce que probablement qu'NVIDIA va remettre, le, oui. va remettre le, 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 le câble à jour. Après, euh, du coup, après bon, cette voilà. pénurie de cartes graphiques pendant des années, on en ressort des nouvelles ouais. et il y a cram. Mais là, façon, elles sont trop chères, là, 2000 euros. Euh, je veux dire. Et puis les gens veulent, mettre, veulent mettre trop d'électrons dans, dans un. Voilà. Il, vraiment, on a, voilà, il faut arrêter. Oui. oui. Et puis tu, oh, sais, même endroit, voilà et puis, tu sais, moi ouais. je pense que l'électricité, de toute façon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien maîtrisé. Complètement. C'est une force un peu magique mm -hmm. parce que honnêtement, moi vous ne me ferez pas croire qu'il y a des petits électrons dans un fil de cuivre qui s'agitent comme mm -hmm. ça et qui transmettent de l'énergie. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pas, crois pas. Ouais, non, ouais, voilà. crois je pense pas, que c'est un truc un peu magique et les ingénieurs ils sont là, bon ça marche, on essaie de pas trop comprendre, <laughs> vas-y, ça va être bon. Je coup pas de temps en temps ça brûle, bon allez voilà. Ouais, Ben Voilà la preuve parce que un pourtant il y a des moyens pour faire un beau câble comme ça. S'il y a un consortium de gens pour faire un câble en plastique, oui, ils se réunissent. Physiciens, ingénieurs, des gens qui ont des diplômes et tout, et pourtant ça donne ça. Et de toute façon, on connaît les gens, ça achète des 4,090, mais c'est pour jouer à Vampire Survivors. pour jouer à Minecraft avec ouais. l'RTX Ça, c'est vrai. Ouais. Euh, donc voilà, 4,090, le câble fond, attendez un petit peu. Euh, on a aussi eu une nouvelle concernant euh, CD Projekt, dont nous parlons les émissions. Il n'y a pas vrai. une émission sans qu'on ne parle pas de CD Projekt. Alors là, je qu note je... que Malware a complètement redire son putsch. Avec, euh... Donc, il a dit CD Projekt. On ouais, ouais, a pas non, un monde mais... <laughs> et maintenant... Mais je trouve que c'est mieux. C'est <laughs> oui. des voilà, a... Ça rajoute un, une touche de sophistication et d'authenticité. Voilà, ça, ça fait vraiment terroir... Euh, c est c est la, tchèquie, la tchèquie, Polonais. Des terroirs polonais. Alors ils avaient annoncé cinq projets. Il y en avait un qui s'appelait Canis Majoris. Et je me souviens, il me semble même que dans cette émission, on s'était dit qu'est-ce que ça peut être Canis Majoris Il y a des gens sur le chat qui avaient dit oh, "Ah ben c'est une constellation, ça va être un jeu spatial." Et bien pas du tout les gens du chat. En fait, ça va être un remake Unreal 5 du premier The Witcher. Ouais. Bon, tu vas y, tu as joué au premier The Witcher J'ai joué un peu, et ça pour le coup, c'était un jeu contrairement à Deus Ex. Non mais c'est ça c'est ça le drame, c'est qu'en fait le premier The Witcher, c'était pourri. Ouais. c'était demi-pourri. The Witcher 2 ça commençait à aller mieux et c'est vraiment avec The Witcher 3 que tous les ingrédients se sont bien mélangés qu'ils savaient vraiment faire des jeux vidéo. En fait, là, ils ont donné zéro détail, mais je pense que tout dépend de ce qu'ils vont en faire. Si c'est pour faire un remake ou ils vont juste euh, faire de meilleurs graphismes, mais garder la linéarité, les mécaniques, les, les etc. Contrôles. Les contrôles. Les contrôles, oui, mais la linéarité, les mécaniques, etc. Euh, bon, effectivement, ça aura pas grand intérêt, je pense. Pourquoi pas Mais par contre, s'ils le refont en se disant bah, cette fois, ce sera un monde ouvert. Oh bah Là, c'est plus intéressant. Ouais, mais à ce moment-là, c'est plus The Witcher. C'est plus premier The Witcher. Bah tu vois. si, c'est bah un remake. C'est pas un remaster, tu vois. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des différences de grammaire entre le remasterisé, remake, remachin, rebooté. Euh... Bah, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Hein, Je pense es... que ça va rester linéaire, honnêtement. Ouais. Et tu sais quoi Ils vont s'en servir comme brouillon. Pour voir si pour leur future version de The Witcher, euh, leur prochain The Witcher ouais. sur, oui. euh, sur l'Unreal, parce qu'ils ont changé de moteur, là, ah, fait. Okay. un moteur propriétaire à eux, ils ont dit on passe Unreal 5 parce que finalement c'est mieux que ce que nous on fait en interne. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont s'en servir un peu pour débroussailler euh, l'Unreal ah, okay. ouais. Alors cela dit, c'est pas, euh, pas CD Projekt qui fait le développement, c'est un, un studio de leurs potes. Ils essaiment, il y a plein de, plein de vétérans de ces projets qui mmh. partent à droite à gauche faire des studios en Europe centrale. Le mec, dit C'est bon, je me barre. <laughs> Et oui, Tu veux faire un Witcher. <laughs> euh, donc voilà, il faut rappeler que The Witcher, ça datait quand même de 2007. Ouais. Donc ouais. voilà, ça a 15 ans. Hein. C'est quand même un peu du vieux gameplay. Et euh, bon, honnêtement, euh, j'aurais été plus heureux s'ils avaient annoncé un concurrent Starfield par exemple s'ils avaient accès ah oui, bon, euh, aux spatiale. ça spatiales une sorte pour euh, oui, <laughs> mais oui, mais j'aurais bien voulu ceux ce qui se ça, un peu la avec Bethesda. C'est par une boîte d'un de leurs potes euh, hmm. en Tchéquie. Donc euh, voilà, euh, Cadiz Majoris, ça sera un remake Unreal 5 de euh, The Witcher, on sait à quoi correspond le, euh, le nom de code. Isuel, ça c'est pour toi. Enfin, c'est pour toi. Non, c'est pour moi aussi. Euh, nous avons appris, c'est pour nous que Fallout 4 aura Alors, pas un remake, mais une update Next Gen en 2023. Alors rappelons la que Sélection 4 des 4 news pour cette émission. <laughs> rappelons que Fallout 4 était de très loin. De très, très loin. Oh le meilleur Fallout. De non, mais non, mais c'est vrai. Parce qu'on pouvait construire des super bases. Oui. C'était génial. Alors, Arrête. moi, j'y ai joué peut-être 150 heures à Fallout 4. Mais non. Non, mais j'ai pas fait la quête. Je, je sais pas ce qui se passe. Je pourrais pas te citer le nom d'un NPC mais les bases que tu peux faire, elles sont extraordinaires, il tu a... rajoutes un peu de mode dessus tu sais qu'il y a des forums entiers, juste de base builder euh, Fallout 4 qui montent les bases qu'ils font sur les différents endroits parce qu'il y a plein d'endroits prédéfinis où tu peux commencer ta base, il y a des trucs extraordinaires n'es ah bah, extraordinaire. pas d'accord avec moi Isiel non, bah non parce que construire une base dans un jeu je trouve toujours ça cool mais avec les contrôles et l'interface de Fallout 4 je trouve que c'est assez dégueulasse et en plus c'était pas très bien exploité par le jeu, alors non. tu dis avec des modes ok, non, mais, ça mais ça sinon les mécaniques exploité. de base... Il euh... y, y avait des attaques un peu peu pourri de base, voilà. Je savais pas trop quand mmh. ça allait arriver. Les PC faisaient n'importe quoi. Euh, alors, oui, t'avais un système d'électricité, je crois, justement, ouais, qui pouvait faire des trucs. Mmh. Ok, mais l'agriculture, de l'électricité et tout. Non, mais c'était super. Oui, mais bien. je préfère construire de, une base dans euh, Oxygen Not Included, tu vois. Euh... Franchement, elles étaient belles dans Fallout 4, je te trouve dur. Elles étaient belles. Je trouve que tu. tu, tu... T'as pas voulu rentrer dedans parce que tu te dis Fallout alors ben, Fallout ben, c'est un RPG, moi il me faut des lignes de texte partout. Bah non, moi je suis pas sectaire comme ça. J'ai manqué d'objectivité. J'ai pris le jeu comme il était et franchement Fallout 4 pour moi je suis désolé c'est le meilleur Fallout. <laughs> non mais vraiment hein J'ai réessayé encore New Vegas y a, pendant le confinement, ça ouais. m'est tombé des mains. Mmh. Non, il, a, il a mal vie New Vegas. Ouais, euh... Tu aurais dû essayer Fallout 2. Oh, je, non, mais je ré tu sais quoi, je me souviens, je l'avais ré ré réinstallé il y a peut-être 7-8 ans, j'étais tombé dans les égouts. Ouais. j'avais fait non. Ah ouais d'accord. Les égouts. Ouais. Ça a le tout le premier ça. Il a, il, a, il a aussi mal vieilli. Il mais... y a pas les égouts dans Fallout 2 bah, pas, Je pense pas. Si, si, pas, si, je pas crois au... que j'étais arrivé dans des égouts dans Fallout 2. Si si. Ok. C'est bon. C'était quoi toi ton Fallout préféré Mon préféré c'est le 2 bon, bah, Non. Bah, 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 merci, ah, cela bon. dit, cela dit, New Vegas c'est quand même vraiment vraiment bien. Et, euh, et le 4, je l'ai pas fait du tout. Ça se trouve, j'adorerais le 4. Ah non, le 4, euh, euh, le ah 3, j'avais non, fait, j'ai fait non. Après, New Vegas, comme j'ai vu l'excellente le <laughs> test dans le je me suis dit bon, je vais le faire. Mais le 4, je l'ai pas essayé parce que tout le monde va. Bah, moi, je lis ce magazine. Moi, j'ai foin en ce qui est écrit dans les pages. <laughs> bah de oui, magazine. Je dis, et je <laughs> l'ai vu, c'est pas bon. J'ai fait ok, c'est pas bon. Comme j'avais déjà pas trop aimé le 3 et que c'était euh, c'était pas la suite de New Vegas, j'ai fait bon, bah, j'y joue pas. Et voilà. Il y a un seul truc qui vaut le coup dans le Fallout 4, à part la construction de base, c'est le level design. Parce que pour le coup, Bethesda ils sont très forts pour mmh. ça. Et donc tu as des niveaux entiers, genre dans des, des, des villes qui ont été englouties dans des marais, et donc tu passes que sur les toits, etc. Tu passes de toit en toit. Je trouve du... que les ils sont forts pour le level design. Bah, pour bah, créer ils sont des, des univers, que dans le des... reste. <rire> <rire> des ambiances, ouais. d'accord, mais pour le level design. Ah oui, oui bah par par exemple... Dans Skyrim, tu vois, les ambiances des différentes villes, tout ça incroyable, mais les, le, les donjons, ils sont pourris. enfin... Ah oui, les donjons Ah oui, 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 non, oui mais dans mais tu Skyrim peut-être, mais là je parle vraiment de toute proportion gardée dans leur moteur pour faire un Fallout, par ah exemple. Euh, Megaton, qui est la toute première ville que tu croises dans Fallout 3, qui est une ville dans le cratère d'une bombe nucléaire qui a ah oui, pas explosé. Ouais. Et ben bah, rien que cette ville, en fait, elle enfonce tout ce qui a été fait en termes de level design dans Fallout New Vegas. Mm. Ouais. Euh, je trouve qu'ils, pour le coup, ils sont très forts pour. Euh, Mais vraiment le level design, pas juste l'environnement quoi. Bah, vraiment en termes pas de. Pas conf... l'environnement, non, juste le level design. <laughs> D'accord, okay, ok, Ouais, je trouve. Il ouais, ouais. y a des gens sur le chat qui disent et Fallout 76 Bon, Moi, j'ai une petite période Fallout 76. Mais non. Non, mais qui est devenue bien, je te, t es... T es t es... Es te jure. Je te jure. Mais déviant là, non, mais là encore, es dans t'es es avec tes œillères. Voilà, et tu te dis, non, mais je vais pas essayer. 3 je sur me... 10 dans 4RPC Oui, non, mais au début, quand il est sorti, c'était une... une bouse infecte. Et ils l'ont vachement bien amélioré. Ouais, il paraît Et ouais, c'est devenu, devenu bah, en fait, un petit Fallout dans un univers MMO. Mais en fait, l'univers MMO, tu le sens pas. Oui, t'es tout seul. Voilà, tu peux y jouer comme un truc solo. Et tu retrouves les bonnes sensations de Fallout. Mais à le retest Paris Dual Ah bah, Fallout 76. Je crois que j'en avais reparlé de Fallout 76. J'avais fait deux pages pour dire non, finalement c'est bien. Et puis, non. Si, si, je crois que j'avais fait ça. Mais on l'avait passé en douce. On avait ouais, pas montré. On avait, arrach... <laughs> on avait arraché les pages. On avait dit tiens, c'est le nouveau magazine. <laughs> et voilà, Fallout 4, Update next nice Gen 2023. Euh, bah voilà, ça sera gratuit. Moi euh, je dis merci, bah, Tu nous feras un petit stream avec vous oui. Euh, Donc, voilà. pourrais. Non mais je pourrais, je pourrais, je pourrais. Euh, on va parler d'IKEA maintenant. On n'en oh. parle pas assez ah, d'Ikea oui. dans le jeu. Hum, Il y a un gars qui a fait un jeu vidéo qui s'appelle The stories close Vous allez avoir les, les, les emails qui a l'air assez cool. C'est un survival horror dans un magasin de meubles. Alors c'est surtout de ce jeu en fait que je voulais parler parce que voilà pour l'anecdote Ikea a dit oh là là mais ça ressemble trop à nos magasins. On va faire des poursuites judiciaires. Attention attention. Mais regardez non, comme non. ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Ah, mais j'ai envie du... ça. Hein. Ça a l'air très cool. Et il faut savoir que c'est sur Kickstarter en ce moment où c'est en train de défoncer tous les paliers de financement. C'est bah, euh, mérité. Euh, il, il Regarde, réussi. pourtant, ah, j'aime pas le jeu d'horreur, hein, mais je sais pas le, le coup d'être dans un magasin comme ça. dans euh... ah bah ben, un magasin Ikea, comme c'est carrément ouais. une ville avec les restaurants et tout, ouais, ouais. c'est une très très bonne construction. Il y a de la construction C'est bon, c'est Alors, et tout. Il y a de bah la construction oui, de base parce qu'en fait, l'idée c'est que le store, le magasin est infini. Ouais. et donc lui il dit bah la nuit il faut que vous construisiez votre base et le jour vous allez explorer autour et donc voilà un peu comme dans Subnautica c'est quoi sauf que t'es dans un Ikea c'est génial c'est ah, drôle franchement dans un Ikea infini c'est ouais. une super bonne idée un quoi. Ikea Alors... infini d'ailleurs il va le renommer je crois The Endless oh Store ou un truc comme ça je m'en bien le monstre là ouais Mais attends ça s'appelle Ster le matrix, C'est pas. Alors d'accord, il a repris la charte de couleur. Ouais, okay. En fait, Ikea. Ouais. Euh, Regarde ça, si ça ressemble. Ikea lui a envoyé ouais. un mail pour lui dire. Alors ça va pas parce que le nom suédois plus le magasin bleu et jaune plus les meubles plus machin, ouais. ça fait trop. Et donc euh, il va pouvoir changer que quelques trucs. Oui. Parce Alors, que... Genre j'ai vu là, il va faire la, le magasin au lieu d'être bleu et jaune, il va être euh, rouge et noir. Oui. Bon, ok. Non, mais tu vois, je comprends et franchement, à sa place, je serais te pareil. T'es un d tu vas mais pas risquer de te battre avec Ikea. Mais ils, ils ont, ont raison. Armée d'avocats. Mais non. cela dit. Tu vois que franchement, je, ça me paraît difficilement gagnable en justice. Tu rigoles Mais attends. Si, si et le, dis, le, ouais le ouais grand ouais. magasin rectangulaire bleu et jaune ouais qui avec ouais un mot ouais. suédois. lui-même dit, en fait, il s'est fait, il fait un peu attraper parce que lui-même. Moi, c'est comme avoir une boisson qui s'appelle Capicola, tu vois. C'est. Euh, lui-même, quand ouais. il Allez. pitchait son jeu, il a dit, euh, c'est un Ikea-like. Ah euh, euh, mais là, vous là, savez, si Ikea était malin, qu'est-ce qu'il ferait il lui dirait, bah écoute, tu sais quoi On te donne la utiliser, licence Tu peux utiliser tous nos meubles. Oui. oui. Ça, non, mais ça leur <laughs> ferait une clair. pub. T'aurais des, des, des champs de best de de, de de Bah Non, mais là, les meubles, ils, ils servent à construire. Ah, mais oui, Non, pas. mais ça serait voilà. Non, tu peux les détruire. Ah, ouais, ah, oui. Tout bon, est détruit. Et un truc cool que j'ai ai aimé aussi dans ouais. ce projet, c'est que euh, chaque zone du magasin a des, des ennemis et des mécaniques différentes, genre la zone pour enfants elle est plongée dans le noir il euh, y a une zone avec des mannequins parce que, enfin, des, avec des vêtements oui, oui. Euh, qui du coup euh, s'animent et euh, te, te suivent etc donc ça a l'air très chouette ok et on ne sait pas quand ça va sortir, parce que de toute façon, bah, c'est en, en développement. Et, bien, voilà, euh, voilà. Mais euh, c'est à suivre, ça a l'air cool. C'est cool, franchement, c'est très cool. Ah, ça fait envie ouais, avec les petits ballons. La là, voilà, tout, euh... bah, En quoi ça génie de toute façon C'est une question de... de brand safety, comme on dit. Euh... Oui, c'est parce que si tu laisses les gens utiliser des trucs trop proches de oui, ta marque vrai. pendant trop longtemps, mmh. au bout d'un moment, tu peux perdre le copyright. Donc c'est pour ouais. ça qu'ils sont obligés de, chi... de jouer les chiens de garde à chaque fois. Et même sans parler de ça, moi je serai le PDG d'IKEA, ce que j'ai de fortes chance D'être ouais, euh, ouais, ouais. un jour, oui, euh, circuit, crois, bah oui, 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 dans le top 3. Euh, je un jeu d'horreur dans un de mes magasins avec quelqu'un qui pète tous les meubles et qui fait du lance-flammes sur des enfants mutants. C'est attendu, c'est -ce... oui. a... du, c est c est du maga... la marketing, c'est formidable. Ikea, ça c'est comme pareil pour toute marque qui a une telle identité Mais oui. aussi, euh, hégémonique. Euh, IKEA, ça a été parodié un milliard de fois par tout le monde. Il oui. y, ouais, y a des, y a oui. des faux IKEA sur Internet que tu trouves, fabriquer des cercueils, des trucs comme ça, oui, oui. avec des machins, tu vois. Euh... Mais justement, mais ils les adoptent pas. Comme vous disait ils devraient le, leur donner. De... Ah non, mais pas Il les, adouer, mais les droits. Juste, ils les attaquent pas non plus, tu vois. Non, mais je vais le leur donner les en droits, en comme même. ça les droits resteraient protégés. Ouais. Ils leur donneront officiellement les droits, et puis voilà, et tu mets les meubles Ikea. Mais là, je suis très déçu par cette décision et je n'achèterai plus de meubles Ikea. <rire> Exactement, <rire> je vais boycotter Ikea. Oh, si, si je devais boycotter Ikea, je ne sais pas comment je le ferais. Ce serait difficile. Hein. Euh, il faut noter aussi qu'il y a une, un dans euh, euh, le dernier Call of, hein, il y a un hôtel aussi qui a fait ouais. un peu la même chose, un hôtel à Amsterdam qui a été qui fait qui est dans un niveau de Call of Duty. Alors en plus c'est en flamme tout détruit et tout. Ouais. Et ils sont dit « oui, c'est pas cool, on veut. le On n'est on, pas content de voir notre hôtel en flamme Ouais, mais détendez-vous quoi. Bah, -vous. Alors c'est une map euh, multi, je crois. Ouais, sur une map multi. ouais Donc ça veut dire que vraiment tu vas avoir Parce des vidéos solo, elle est intacte, il est de intacte, gens elle. qui se s'entretuent dans leur hôtel sur le net. Je peux comprendre qui. Non mais je dis pas qu'il faut faire un procès. Bah après, je là, peux là, comprendre si qu'ils disent ouais. ouais ça fait chier quoi. Là si c'est le, le vrai hôtel parfaitement identifiable dans la bonne rue et tout, oui là je peux comprendre qu'ils sont pas voilà. contents. Même si ça leur fait de la pub en même temps. Il y a quelqu'un oui. sur le chat qui dit, ah Monsieur Meuble a rigolé très fort. Non ce qui serait vachement bien c'est par exemple but ils disent au mec Ah mais oui. IKEA, ça, IKEA, bien. Il veut, nous on te donne IKEA les droits, exact, tu grave. fais ça dans un magasin but parce Alors. que c'est un peu les petits, les, mmh. les, ils sont plus petits quand même je crois qu'il y a, oui beaucoup plus petit Mais sauf que personne connaît but en dehors de la France, non non, mais. Ben justement, oui, mais oui, ça oui, leur oui. fait une pub à l'international, <laughs> ça devient une marque mondiale. Non, mais est le, le, le but euh, états-unien je sais pas ce que oui, c'est, mais tu vois. Ouais, euh... ou un, ou un bricot déco, enfin un ouais. truc de meuble euh, comme ça. Mais, ouais, mais des un coup, idées le marketing fini, quoi, Walmart, que, il, tu Là, ça marche aussi, le côté magasin infini, parce que les magasins Ikea, ils ont ce côté euh, gigantesque ouais, ont... et tout. Ouais, c'est vrai, Bricot ça ah, fait beaucoup moins peur, quoi. C'est vrai. Une news qui va probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vous intéresser. Euh, c'est... Euh... bien vendu cette émission. -là. Ouais, <laughs> <laughs> j'avais dit que tu aurais en mort. Euh, c'est euh SteamOS, donc le Linux ah oui. version Valve, qui est euh, le système d'exploitation oui, qui oui. est sur le Steam Deck, à chaque fois je dis Stream Deck, Steam Deck, mais c'est Steam Deck, qui pourrait sortir en version desktop. Alors, Isuel euh, comme je vois que tu es intéressé, j'aimerais que tu m'expliques en quelques phrases pourquoi tu es excité à l'idée d'installer <laughs> une version de Linux sur ton euh, desktop. Parce que j'adore Linux, parce que pour moi l'open source c'est extrêmement euh, important ouais. et intéressant. Et puis Windows, euh, ça se voilà. ouais, sort. <laughs> c'est vrai, que Windows se sort. Donc euh, c'est chiant, on n'arrive à rien faire. En plus, ça coûte. T'as vu le prix de, de Windows <laughs> la dernière fois sur CD Discount Ils m'ont facturé ma clé 2,50 euros ouais. enfin, Je veux dire, euh, non. C'est stop. Il il... Sur non les mais c'est avant tout une question de philosophie et ouais. d'art de vivre. Ouais. Vois, moi, tout est open source, euh, tout est libre quelque part. Tu peux reprogrammer toute ton interface. Toute voilà. Ton truc. DirectX marche pas, bim, tu reprogrammes. Hein. Je suis pas aux ordres. Sur, Je suis pas sur pas Linux, DirectX. Aux ordres pas, donc. Au <laughs> ordre de Bill Gates. Bon, voilà. Donc, il, il, voilà. Le si ça vous intéresse, hein, si vous croyez encore que Linux va un jour s'imposer sur le desktop que vous avez une dent contre Win, Windows pour une raison qu'on ignore. Euh, donc, le Linux de Valve va sortir en version desktop. Donc, vous pourrez installer un SteamOS sur vous pourrez probablement installer un SteamOS sur votre desktop et jouer avec un Linux dédié aux jeux vidéo. Alors pourquoi Mais moi, la question ouais. que je me pose, c'est surtout pourquoi Il y a déjà plein de distributions Linux. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, celle-là Du -ce tu... maintenant, et apparemment, je n'ai pas rien trop suivi bon récemment, <laughs> mais il me semble que ça s'est quand même vachement amélioré la compatibilité euh, des jeux Windows sur, euh, sur Linux. Ben, ouais, le mais... jeu il y a des jeux qui allaient faire tourner des CS sur Linux maintenant, ce qui n'est pas peu dire, parce que déjà, ils ne tournent pas sur Windows. Ouais, euh, bon. Donc, euh, c'est. Euh... Donc je sais pas, euh, je vois pas ce qu'elle apporte de plus en fait. Ouais, j'ai essayé euh, Linux un peu avant le confinement. Je me suis dit, allez, peut-être que c'est devenu bien maintenant parce que j'ai envie de bidouiller mon interface. Et euh, j'installe, je, je crois, Ubuntu. Et j'installe, et ça ne supportait pas le G-Sync. Ah ouais, okay. Et j'ai regardé sur Internet comment faire pour que ça supporte le G-Sync. Il y avait 5000 pages de forum à lien. Mm. J'ai fait, allez, on, <laughs> on efface la partition, on revient à ouais, Windows, on fait... Voilà. C'est un peu le problème. Je, ouais, ça euh, c'est pour toi Isuel, Hogwarts Legacy. Oui. Euh, qui est devenu le jeu le plus wishlisté de Steam. Le jeu oui, qui oui. est euh, le plus dans la wishlist de Steam. Euh, ça, c'est... Euh... Ce, ce qui veut dire qu'il est plus wishlisté que Starfield. Ce qui est, oui. euh, est la liste intéressant. intéressante, j'aurais dû imprimer la liste pour donner quelques, quelques exemples, mais on retrouve... Euh, on retrouve alors, dans, dans la liste des jeux les plus wishlistés, on retrouve un truc qui s'appelle Animal Party. Oui je vois très bien ce que c'est. Ouais. c'est quoi C'est le jeu de, de baston euh, avec des animaux mignons, là, c'est ça Ah, probablement. Moi, j'ai vu un Animal Party, Animal party j'ai pas cliqué. Non, genre, genre. si c'est ça, ça a l'air super cool. C'est un jeu de. un party game où es en multilocal, comme Gang Beast, vous voyez hum. euh, Mais exactement avec le même concept, mais sauf que, bah, au lieu d'être des blobs de couleurs, c'est des animaux, ils ont des tronçonneuses. Bon, c'est rigolo. Hein. Mais c'est bien au point d'être dans les cheveux les plus wishlistés de Steam bah... Parce que toi, Harry Potter, je comprends pourquoi. En fait, ouais. Très attendu, à la bourre, donc forcément, ça fait. Je pense qu'il y a une, Potter, une marche Starfield, déjà. Starfield, il y a une marche très nette, je pense, entre Harry Potter et, et oui, euh, je le je nombre je de wishlist des, de, de, des autres. Mais il y a des devs qui y forcent plus ou moins aussi hein, sur le côté wishlist et nous, parce qu'on sait qu'être ajouté en wishlist ah bah oui. c'est énorme pour l'algorithme de Steam, ça aide ah, énormément. Il, le il, le a plus des, plus il y a des devs du coup qui font du vrai matraquage pour mmh. ça. Et qui doivent bien réussir leur coup. Et je voudrais dire que cette liste, pour nous les journalistes, elle peut être intéressante parce que ça nous donne un très bon aperçu des jeux qui sont les plus attendus. Donc si mmh. on veut se faire de la moulaga en mettant des couves un peu clickbait sur les jeux attendus euh, de 2023, et eh ben en fait, parce que y a des, j'ai eu quelques jeux, je me suis dit, ah bon, ça c'est attendu. Bah, et oui, mmh. en fait, il y a des jeux qui sont très très attendus. Et nous, quand on discute, ça ne mmh. fait pas partie de nos jeux les plus attendus. Moi j'arrête pas de dire, il faudrait qu'on mette Hogwarts Legacy en couve de tous les magazines. De tout, tous les mois. Ouais. Ou alors Carbalspace euh, Space Program 2, qui est dans cette liste des jeux les ouais. plus euh, ouais. les plus Oui, oui il, il est dans le. Tiens, il, dire. il est en 99e position. Non, il est dans le top 20 je crois. <laughs> ouais. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de, de pousser une couve Carbalspace ouais. Space Program, 2, on me dit Ah non, la, la couve Carbalspace Space Program qu'on avait fait il y a X années, elle s'est mal vendue. Voilà, mmh. c'est mon drame. Toutes les conférences de rédaction, je dis On peut faire une couve Carbalspace Space Program 2. Non, ça s'est mal vendu. Voilà. Alors que la, la cro... mais c'est aussi qu'on ne pourra pas faire mieux que la croche de l'époque c'était quoi des mexicains nous montrent l'orbite ah oui, ah oui. Ah, c'était fin fa c'était ouais. euh, fabuleux fin. mais euh, merde je sais plus ce que je voulais dire oh c'est pas grave pas grave hogwarts legacy oui ça va être très bien oui tu t'excites voilà hogwarts voilà, legacy oui hogwarts oui, ouais. legacy euh, bah j'ai hâte euh, harry potter non mais je, ça m'étonne pas enfin harry potter c'est l'une des franchises les plus ou la franchise la plus aimée au monde peut-être à, à côté ah, ça de spider <laughs> ouais avec en, en, en terme de nombre ah de oui. Euh, voilà, avec Star Wars c'est vraiment les deux trucs les plus connus, les plus populaires du monde quoi. Vrai, ouais. donc ça m'étonne pas que le jeu officiel qui en plus a l'air très très cool jeu de rôle en monde vrai ouvert c'est cool, euh, euh... ouais. euh... pas mon univers mais il a l'air euh... ah, avec quand des quand baguettes et tout c'est cool quoi. Ouais, ça, ça me fait un peu peur ça parce que je crois qu'il y a quand même des histoires de points de vie ce qui est un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire euh... ouais, que jamais le mot point de vie n'est mentionné dans les romans exactement et puis, je sais pas, tu prends un sort, tu reçois l'effet du sort, mais tu ne te dis pas « Ah, je perds un tiers de mes points de vie. Enfin, » Ça fera un bon 7 sur 10. Voilà. Hein voilà. On, on sait bien comment ça va se terminer. Bah, on bah, oui, fait, mais en finalement... début d'année, bah, comme « Ah, mais c'est con, parce que tous les jeux ont été repoussés. Bah, » oui. refaire. l'an dernier, au numéro de Noël, tous, on a noté à l'avance les jeux qui allaient sortir cette année. Et en fait, du coup, pour pouvoir comparer... Et en fait, je... Ça nous fera une rubrique flashback dans une voilà. prochaine émission, euh, avec un filtre noir et blanc. Et ils ont tous été repoussés, donc euh, on, on ne sait pas. Edge of Mythology, Ritold. Oui, oui, oui. Oui, mais... Je pas... Pas... Non, non. Bon, ben voilà, désolé. Vous des métiers vidéo. Non, mais... Non, <rire> <rire> non mais... Euh, donc, ils ont annoncé Edge of Mythology, Ritold. Donc, Age of Mythology, oui. Mythology rappelle-nous ce que c'est. C'est un of ouais. mais pendant l'Antiquité, et donc du coup, il y a des créatures mythologiques. Euh, voilà. Tu fais exprès ça. pour que je le dise de façon chiante. Donc c'est la, chiant. la même merde, Non mais c'est la même merde qu'Age of empire. Ils ont mis une skin avec des Minotaures qui font... Ouais, et mais les mais gens, qu'est-ce qu'ils disent oh, C'est génial, oh oui, sortez-nous un 2, sortez-nous un 3. Alors, je vais te faire une réponse. Mais arrêtez d'être euh, des pigeons. En fait. la, 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 la fausse réponse, c'est que, en fait, c'est vachement intéressant ce thème de mythologie, parce que ça crée un deuxième mode de Shifumi. Contrairement au mode de Shifumi classique qu'il y a dans les RTS... Dans Age of Mythology, par exemple, c'est Archer versus Cavalerie versus Infanterie. Là, as aussi un deuxième mode avec euh, Héros versus Unité de base versus Unité mythique, ce qui fait de la stratégie en plus. Ça, c'est la fausse réponse. La vraie réponse, c'est que bien sûr, on a envie de faire muse avec des petits minoteurs parce que c'est rigolo. Mais euh, voilà, ça, moi, ça me, ça me va, quoi, avec les pouvoirs des dieux qui font péter les villes, c'est rigolo. Euh, il faut quand même dire que. Parce que Microsoft, là, ils, 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 ils recyclent bien leur. Euh, ah oui. Les ouais, Edge of clair. Empire, ils ont fait le 1, le 2, le 3, le 4, non Oui, le ouais, quatre. mais le 4, c'est vraiment un nouveau jeu. Pour ils le coup. ont fait les remasters, les re-remasters, les, les remakes, les mm. éditions extended anniversaries. Oui. en a... En gros, le truc, c'était un peu plus joli, mais c'était quand même vendu très cher parce que c'était. Ouais. Et il faut dire que Edge of Mythology, le jeu original est sorti de mémoire 2003, je crois que je Ouais, dans ces jours-là, début Santa 2000. Ouais. Ah, c'était ouais. Mitterrand. Euh, ils ont déjà sorti une Extended Edition en 2014 ouais. ou 2016. Et ils mettaient un coup de polish. Euh... Voilà. Et là, ils ressortent encore un truc, Retold. Bon. Mais c'est le jeu le plus wishlisté wish sur Steam, je crois. Non, non, non. Il est. Ah non non, 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 non. Il est, il est deuxième derrière Non, 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 non. non je ne sais même pas si. Ah, peut-être. Attends. Le, euh, Age non, of Mythologie C'est une blague, c'est ah bon, pas, que... pas impossible. Hein. Oui, un Edge of Mythologie, euh, quand ils ont fait l'Extended Edition, là, donc ils ont… Bah, c'est super route, bien vendu mais ça non, non, Et ils non. ont ressorti un DLC qui rajoute la Chine, d'ailleurs. qui est, est bon, en ultra-positif sur Steam, ouais. avec 30 000 reviews de mecs qui disent « c'est le meilleur STR de tous les temps », et tout. Ça c'est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a deux jeux qui ont eu ça, il y avait eu Titan Quest, qui veut pas mourir, il continue à rajouter des DLC, mais genre 20 ans après la fin du jeu, et Age of Mythology, pareil. C'est vraiment c'est que ces deux jeux sur l'Antiquité. Bah, et Edge of Empires 2 Oui. Et qui oui, pour est le vrai. coup le, le, le mérite euh, oui, et vrai. a vraiment une deuxième vie incroyable. Là, qui, qui a bah, un... Au niveau compétitif notamment, hein. oui. Ouais, ouais. carrément. Ouais. Mais après, je ne vois pas pourquoi Edge of Empires 2 serait un plus mauvais jeu qu enfin, un meilleur non, coup, que qu'Age of Mythology. C'est bah, un meilleur jeu aussi. Tu trouves quelle différent ah bah, Je ne sais pas. Oui, voilà. <laughs> C'est la, la même merde, comme on dit, génie. Je... Ouais, bien ou peu, mal. Hein. Ça me paraît un peu ringard. C'est STR où tu fais un lasso pour prendre 25 unités, tu les envoies sur une structure adverse. Ouais, mais bon, les STR, quoi. Tu veux faire comment Ouais, un wargame, par exemple, un vrai wargame. Tu enfin, n'as un... pas de non, lasso mais... dans les wargames Bah non. C'est des mais, un... mais c'est un tour par tour. Pas non, pareil. mais voilà. Est que... non, non. Un truc un peu plus raffiné, quoi. Je veux dire, oui. raffiné. Parce que ces STR-là, on, on y joue depuis euh, Dune 2. De. En 1992, je Il a, crois. Comme ça. Il y avait un STR, je me rappelle plus le, le nom, qui était commandable à la voix. Et je suis euh, oui. dès que c'est bidé. Ah, c'est le truc que... Radio Machin, ça s'appelait. Ouais, Boulon l'avait testé. C'est un truc qui c'était Boulon qui l'avait testé. Et ça marchait pas du tout. Et la reconnaissance vocale, c'était au début des années 2000 vers 2008 trucs comme ça et ça marchait pas du tout donc euh, les unités faisaient n'importe quoi et c'était hilarant mais c'était ouais. très frustrant alors que ça ce serait hyper cool pour le coin STR où t'es devant ton pc tu fais oh, euh, l'infanterie troisième euh, régiment débordé à gauche je tu sais euh... qu'il y a des utilitaires ouais. qui permettent de faire ça hein. ah, ah, bon la voice commander euh, voice commander qui, commander, qui, ouais, ça, qui ouais, marche ouais. très bien tu peux c'est en gros c'est un truc pour binder les... ta voix des commandes ouais. clavier ou souris je ah, et... tu sais euh... que les joueurs d'élite par exemple ou de Star Citizen mmh. utilisent beaucoup ils sont oh, trop bien ils disent sélectionner laser et puis pout à la touche sélectionner oh mais trop bien et tant que t'es pas conscient de ce que t'es en train de faire et que t'es un type qui fait lui <laughs> ah, t'inquiète avec les boucliers! Ouais, tant que t'es seul, seul dans la pièce. C'est voilà. très bien. Si par contre quelqu'un te voit, alors c'est voilà. mort. Là, 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 ça, va, ça, Mais va. ça marche très bien et ça marche pour tous les jeux. Euh, c'est génial! Euh... Ouais, je, je... Bah, bah, je, je... je vais l'installer tout à ah l'heure. Je... 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 je dis c'est génial, non, en fait. Voice Commander, je m'en servais pour euh, DCS, parce qu'il y a beaucoup de touches. Oui, ça dépend des jeux. Je dirais que c'est pratique. J'imagine tellement. Sélectionner missiles. Non, <laughs> oh, pas pour, <laughs> <pas> pour <laughs> l'avion, les... surtout pour les wingman. Et, euh... Ah oui. Surtout DCS, c'est vachement bien, parce que tu fais, t'as Voice Commander qui marche super bien. Donc il fait genre, passer par la droite, et bombardé, les Sam, et là t'as l'IA pourri qui fait. C'est des tom super de la on nous dit dans le chat. Clancy's End War, le jeu ah, qui avait bordel, de la, à la voix. Ouais. Mais euh, oui, mais ça doit dépendre du, du jeu, parce que oui, à League Dangerous, je vois bien comment tu peux le commander à la voix et ça peut être cool. Si c'est un jeu genre Arma ou un, ou un Skyrim, oui. que tu dois dire, ouais, avancer 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 en boucle. Non, ça sert beaucoup pour les jeux de sous-marins aussi, pour dire euh, oui, plonger ça 20 mètres. Pour un jeu de... beaucoup, euh, et là, beaucoup un... mais surtout ce qu'il tu fais en allemand. Ah ouais, lance! Voilà. <laughs> c'est vrai que non, là t'es dedans, mais là c'est vrai, vrai. <laughs> t'es dedans! J'ai envie dedans. de le faire de faire ouais. un stream. Mais <laughs> tous les jeux où tu. <laughs> bah oui, il faut. Mais tous les jeux où tu incarnes un commandant en chef qui, qui, oui, qui donne des ordres à ses subordonnés, voilà. c'est vrai que là tu peux aboyer tes ordres comme bah ouais. en vrai et c'est vrai que pour l'immersion <laughs> euh, c'est cool. bien. Enfin, j'en reparle dans la rubrique Download de Voice Commander parce mmh. que j'en ai pas parlé depuis, depuis des années. Euh, je voudrais juste qu'on montre le trailer d'un jeu de bon alors c'est un jeu de survie moi c'est pas trop mon truc mais je sais que ça vous ça vous, vous les jeunes ça vous est c'est pas ton encore. truc les jeux de survie Non, je... jeu de un Survival Horror. Ah, ah oui! Voilà. Euh, qui en fait, cartonne... la seule différence, c'est est-ce que tu construis un truc ou pas? Oui, c'est oui, ça. ça tout. Tout. Parce que de Ikea, Survival War, mais il y avait une base. Donc, ah oui. bah oui, mais tu pouvais mettre un matelas à un moment. Moi, ça me mmh. Je demande pas plus. Sur des, des murs aussi. Un jeu, tu un mets un simple. matelas au début. Agbou, il est vendu. Ah, est après, ça, ça un euh, petit mur, un petit truc comme mmh. ça. Moi, je suis simple. Hein, je demande pas grand-chose aux jeux vidéo. Quand Avec tu vas découvrir The Sims, ça va être fou. Non, pas pas pu. Le trailer de Signalis. Euh, qui vient de sortir sur Steam. On espère que euh, notre camarade de Noël Malware ah le oui. testera euh, un de ces jours. Alors c'est vrai bah que ça a l'air... Ouais, ça a l'air assez cool. Euh, voilà, ils sont en train de, de cartonner. C'est une des meilleures ventes de Steam. C'est en extrêmement positif. Bah, visuellement, c'est ouf, je trouve. Ouais, si et les évaluations sont dingues. Si c'est votre genre, euh, je pense que vous pouvez, euh, vous pouvez y aller. Si ce n'est pas trop votre genre, vous attendez le test de Noël Malware. Oh bah merci donc, avec vous, parce que c'est important ah, de... Euh... Bon, voilà. <laughs> J'aime bien dire les animations sont dingues, j'ai l'impression d'être un testeur du vidéo de pas, 1995. Pas les, 80, ouais. Alors, les animations sont particulières. Les animations, je mets 80, 85% 80, 80, Pour ca, oh, 91 Le son, tu mets combien oh, 87 au moins. 87 pour, 87 ou 88 Ah, ça va être chaud. Et Attention Vous, hein. vous aviez vraiment des conférences où vous vous battez pour 1 comme ça Mais moi non, moi j'ai jamais connu les Ah, pas ah encore si, hein. je crois que si je crois que j'ai connu genre euh, au début de Justice, on avait genre la note artistique et la note technique. Ah oui, oui. je me rappelle. Oh, merde. Comment vous étiez arrivé à un système aussi con que... <laughs> Je sais pas, je je sais pas. Je, moi je suis arrivé en cours, hein. c'est pas de cette fois Il y avait des débats où des gens qui disaient, mais non, euh, retire non, mais, 2%. Non, mais dans le temps, il n'y avait pas de conférence de rédaction, il n'y avait rien. Ah, oui, d'accord. Oh, le les, les, les... Les, les, les jeux arrivaient en physique, ils étaient jetés dans ce qu'on appelait la banette. Bah, oui, la banette. Et euh, on arrivait, on regardait, on regardait un peu la pochonne. On se disait ouais, je vais faire ça. Et puis on testait le jeu. Il n'y avait aucune communication, il n'y avait rien du tout. Mm. C'était. C'est quoi a... l'histoire avec la cabane? C'est que c'est toi qui as découvert Half-Life par hasard dedans? Ou... Non, c'est pas moi, c'est Fishbone, ah, Un euh, camarade Fishbone, Fishbone euh, qui était, qui a avec un FPS avant. Qui avait Half-Life était arrivé. Tout le monde avait dit Pff, ça a l'air pourri et tout. Et puis euh, il prend ça dans la banette <laughs> un soir. Déjà des mecs qui avaient le flair. De... Ouais, <laughs> il prend ça dans la banette un soir de dépit. Et puis il revient le lendemain matin. Et ils ont joué toute la nuit. C'est génial. C'est le meilleur FPS du monde. Je crois ouais. parler avec des ou sexe. Ou sexe, ouais, ah la même chose. mais à l'époque il y avait pas il de... y avait pas il y avait pas internet pour qu'on soit hypé il y avait pas de trailer non IP. mais il y avait le 3 vrai, où, où les jeux étaient présentés euh, alpha life il a pas été découvert au moment de la sortie quand même je crois que Half-Life c'était même pas le 3 hein. ouais mais oui, c'était val c'était un tout petit studio et tout c'était pas un éditeur de ouais. jeu tu vois ouais. donc non bah c'était un autre temps c'était c'était le temps de, de l'innocence mmh. euh, nous avons fait le tour euh, de l'actualité qui était, bon on va dire hein, en ce moment là c'est pas euh, c'est pas la folie c'est pourquoi je vous propose qu'on se détende dès maintenant parce que je, on a été tendu là par l'actualité très maintenant ou à fond. de nous euh, de, de nous relaxer avec un petit quiz voilà c'est une émission détente une émission chill euh, chasse tu peux nous mettre le petit générique merci Alors là encore, j'ai fait des gros efforts, comme d'habitude, sur ce... Il y a combien de trois questions Il y en a cinq. Alors c'est un quiz boutonneux, et alors je vous montre des boutons de jeux vidéo, et vous devez me dire de quel jeu vidéo ils viennent. Les boutons de lui Je lis dans un plaid comme ça. Non, des boutons de lui. Je pas le courage de chercher des vrais boutons. Oui, bon ben voilà. On est au bout, voilà. On est au bout du quiz. Ah tiens, il faut d'ailleurs qu'on dise que ça sera la dernière émission qui se passe ici. Oui. C'est vrai. Parce ah oui, qu'après oui. on change de locaux. Oui. Donc tout ce beau décor que vous voyez là, cette jungle amazonienne qui est derrière moi avec des... Vous vous en rendez pas compte, mais il y a des bêtes. Hein. Oui, c'est des plantes entièrement naturelles. Au début, mais derrière on a mis des tigres, etc. Pour que ça ne oui. fasse plus. Euh, on a une équipe de 5 personnes et... qui entretient le, oui. qui l'arrose oui. tous les matins. On, on a des vétérinaires. Ouais. On a, on a, <laughs> a peut-être <laughs> mal. Quelque... C'est peut-être ouais, là qu'on a fait des erreurs. au budget. il faut les entretenir. là, Donc pour la prochaine, les prochaines émissions se dérouleront, je crois, par la magie d'Internet. Exactement. C'est bien. On restera chez nous. Bien au chaud. Et ensuite, vous aurez Droit, pardon, vous aurez droit à une émission dans des euh, nouveaux locaux. Nouveau locaux. Chat, a prévu de faire un truc bien ou un truc pourri pour les nouveaux décors <laughs> il a dit, oh, je le frappe. Euh, voilà, quiz boutonneux. Alors, le principe, je vous montre donc un bouton qui a été pris sur une interface d'un jeu et vous devez me dire de quel jeu vient ce bouton. <laughs> Ta gueule, il <idole. rire> C'est très bien. On a dit qu'on l'encourageait. Ah oui, c'est vrai. Oui, très vrai. bonne idée. Dur. Très que, très, moi, très bien. Je dors pas quatre nuits avant chaque émission en me disant est-ce <laughs> ah, qu'ils vont aimer mes quiz. Déjà, je fais des erreurs. Le, le, la dernière fois, oui. j'en ai encore fait. Enfin, J'arrête pas de faire des erreurs. Euh, donc, non le, non, le chat aussi soyez sympa, s'il vous plaît. Voilà, bien dites. Ça. Genre, je, je demande pas grand-chose. Je demande, mais juste un petit bravo à la fin. Très bien. Okay. <laughs> c'est tout. Bah, en euh... vrai, c'est une bonne idée. Hein. <laughs> non, mais en vrai. Ah oui, oui, carrément. <laughs> c'est une des boutons minute. de jeu vidéo et je vous dis. Ouais. Ben bah oui, mais ça a pas besoin d'être un prix Nobel. Alors, oh, oh, ça, heureusement. <rire> le prix <laughs> Nobel euh... du quiz ne sera. Un prix alors, du quiz. Euh, pour participer au quiz, parce qu'il y a des trucs à gagner, non Mais euh, <laughs> vous mettez votre souris sur le côté euh, droit de la vidéo, vous cliquez sur Quiz Kid", vous rentrez votre petit pseudonyme. Vous connaissez la chanson, de toute façon. Ici, c'est un peu comme un café PMU, tous les habitués. Oui, c'est oh, ouais, oui. bon. <laughs> Il y a le quiz, faire vingt moins une, voilà, hein, c'est ça. Et, donc, euh, on peut y aller pour la première question chat euh, les boutons que vous allez voir à l'écran sont les boutons de euh, apex legend civilisation 5 team fortress 2 ou borderlands 3 facile ouais, c'est facile là, oui, la, po ça, oui. la police de caractère les, les, de le... les couleurs qui... et la police ouais ouais ça normalement c'est tranquille ça devrait être ouais, au moins 90% facile. de bonnes réponses euh, un jeu qui a d'ailleurs bien évolué non, il paraît. Ah mais alors si, il, il, parce que maintenant il y a des trucs avec des items, des shops et tout, ils ont... Il y a encore y a... des gens qui jouent Ah oui. Attends, oui es y a... en train de dire, maintenant il y a des items dans TF2 Non mais ce que ah, je veux bah, dire, bah, c'est bah, ils, ils en ont enfin, rajouté pas, des centaines zéro. et des centaines... Ouais. Ouais, bravo, super, merci. Mais il restait une seconde <rire> <rire> Ils ont rajouté des castes beaucoup ah, ouais. Si tu avais joué il y a 8 ans par exemple, tu reconnais plus le jeu. Les non, sont non mais euh, il y a il y, y a des gros problèmes surtout de multi où il y a alors, des bots qui se sur tous les matchs. Je crois euh... qu'ils ont un peu ils ont un peu alors tout le monde a trouvé évidemment c'est Team Fortress 2. Je crois que Team Fortress 2 ils ont un peu euh, ils ont fait une update il y a pas longtemps où ils ont un peu quand même euh, réduit le ah, nombre de okay. tricheurs. Bon bah, tant mieux. mais euh... <laughs> parce qu'il y a un moment <laughs> c'était un update, nombre de tricheurs réduit. Oui non mais c'était ça <laughs> un aussi, Les gens avaient les commençaient à boycotter tellement il y avait des il y avait des tricheurs t'as répondu, pas de problème. Euh, Celle-là est plus technique. La deuxième va être plus technique. Les boutons que vous voyez à l'écran sont les boutons de The Witcher 3, Elden Ring, Skyrim ou Escape from Tarkov. Facile. Non, facile pour toi aussi Bah, euh, Sauf si je me trompe. Mais... C'est bon <laughs> Facile pour toi aussi euh, Moi, franchement, euh, euh, j'aurais un peu J'ai un crois, doute. Hein. Parce que les trois sont quand même... Euh, alors, il pense... y en a un qu'on peut éliminer facile avec le, avec le curseur, je dirais, avec la... la... L'esthétisme le, le, du curseur, mais les trois autres, c'est quand même un peu tout la même chose. À hein. ah, moins que ce soit un piège, je dirais Skyrim quand même. <laughs> pas, ouais, d'accord, ok. Hein J'aurais ah ouais dit ça aussi. Non, c'est The Witcher 3. Quoi okay. Ouais. C'est simplement l'interface que... de début de The Witcher 3. Les trucs là sur le côté du, du, des rectangles, ça fait très Skyrim. Eh bah, ben, ouais, bah non. Eh bah, ben, c'était The Witcher 3. Oh, je vais voir si le chat a été. A été plus... On non, tout ouais. a dit Skyrim. Ouais, tout le monde, enfin une grande partie à Discarim. Ok, c'est ce -ce Les gens qui ont dit Escape from Tarkov, mais. Euh, ouais, non, Escape euh, from Tarkov. Vous, alors vous partez, de. en fait. Ouais, ouais. Non, là, c'est de la provocation. Euh, Celui-là, peut-être un peu plus facile, je sais pas. Euh, les images, les pardon, les boutons que vous voyez à l'écran sont les boutons de Total Warhammer 3, Victoria 3, Disco Elysium ou The Outer World. Oui, c'est vraiment Disco Elysium, là. Hein. <laughs> Tu dis quoi, euh, Isuel euh, Je dirais... Bah, je sais pas à quoi ça ressemble Victoria 3, donc je dirais Total Warhammer 3. C'est bon je dirais Warhammer 3 aussi. Non, mais non, c'est Victoria ouais. 3, on reconnaît le style. Mais il y a quelqu'un la... qui, y a, joué. Que toi qui y a joué Il est sorti il y a une semaine, tout le monde y joue. Bah excuse-nous Il <laughs> n'y ah, euh, a que moi qui ai joué, bah non, euh, on est des millions déjà, euh, il s'est déjà très bien vendu. Euh, mais tu tout... nous as dit que c'est nul Non, je vous ai... <laughs> non je vous ai dit que c'était bien en plus alors au début j'ai un peu dit non non j'ai dit c'est pas parce qu'on aime les jeux paradoxes euh, comme Crusader Kings 3 Hearts of Iron oui. qu'on va aimer Victoria 3 parce que c'est vraiment complètement différent mais euh, non non c'est devenu très bien et... ah oui tu nous euh... que c'est même plus compliqué oui, tu plus... avais dit ouais. les gens qui aiment Hearts of Iron n'ont pas trouvé ça un peu simple et là j'ai fait wow Ouais. Un peu, un, peu, ben, un, peu, un, complexe, peu, un peu, ouais, ouais, non, non c'est vraiment au début. Il y a des notions économiques qui sont, qui sont quand même euh, complexes, à, complexes à, à, à comprendre, et là, je crois que c'est un truc où on arrête un, un espèce de Jack l'éventreur dans le pays. Ah, ok, voilà. mmh. on a eu le euh, ben, regardez, je seul à y jouer. Victoria 3, 223, voilà. Bravo, bravo, Merci bravo. le chat de jouer à Victoria 3. Euh, cela dit, tu pouvais le faire par élimination parce que Disco Elysium, non, The Outer World. Bon, ça qui a joué à The Outer World est euh, Et Total Warhammer 3, c'est quand même pas très Warhammer, le vert comme ça. Ah si Ah bon Ah si, si, justement. Oui, oui. Ouais, ouais, le vert avec le, oui, le doré oui, oui. autour bah, Peut-être que dans ma partie, je jouais les elfes, donc euh, je ah, oui, comme ça, mais ouais. Ok, ok, ok. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que Victoria 3, et ça, il faut le dire, a un système de tooltips. Ouais. Extraordinaire. Les infobules. Les infobules. Et en fait, quand tu t'habitues à voir un jeu où tu peux appeler une infobule pour tout, et qu'à l'intérieur de cette infobule, tu peux appeler une autre ouais. infobule et, et d'autres infobules en cascade. Comme Cruiser Kings 3. Comme Cruiser Kings 3, mais là, ils ont fait un niveau en plus d'infobules. Ah, okay. Et il y a encore plus de détails dans les infobules que dans Cruiser euh, dans... J'espère que c'est une feature qu'ils ont mise en avant. Il y a un niveau ah, Moi, bah, Je pense que génial. sans les infobules, tu ah, ah, C'est infobule. ça qui te sert à apprendre le jeu, en fait. Ouais, hein, ouais. Parce que dès qu'il y a un terme que tu connais pas, on te parle de fonds d'investissement, tu dis pourquoi est-ce que j'ai ce bonus de fonds d'investissement tu laisses la souris, tu mmh. boum, ça t'explique exactement. Oh, ça c'est vraiment bien. Ouais. Ça c'est vraiment bien. Une fois que t'as connu ça, tu peux plus t'en passer. Euh, les, les, les boutons que vous voyez à l'écran sont les boutons de Animal Crossing, Stardew Valley, Terraria ou My Time, My Time at Portia. Alors là, c'est trois qui sont euh, quand même un wow. peu dans la même. Euh, Alors dans la par même ambiance. élimination, je peux en faire, je peux en éliminer un. Hein. Alors, les élimine autres. quoi oh, Stardew. Ouais, euh, Star Valley. Stardew Valley. Star Valley, Star Valley oui, non, clairement, pas, pas, euh, et Terraria. Et terraria aussi, ouais, t'as raison. Donc en fait, mmh. tu te retrouves avec Animal Crossing et My Tamite Portia. Voilà. Et là, il euh, bah, faut y aller. Il euh, bah, faut y aller, y aller au trip. Animal Crossing. Hein. Ouais, c'est Animal Crossing. Ouais, Animal Crossing, ouais. ok. Ouais. J'ai vu, parce que j'ai jamais lancé le jeu, hein, mais j'ai vu l'interface, parce que j'ai collectionné des, des screens d'interface. Ouais. L'interface, c'est dégueu, hein. ah ouais c'est épouvantable. C'est tout des trucs ronds comme ça, avec des petites macarounes. Pourquoi une souris alors que, enfin pourquoi un pointeur alors que ça se joue sur Switch Bah parce que le pointeur il fait comme ça, tu sais, avec ah. le, avec le pad. Ah oui d'accord. Ah, oui, ah, oui, ah oui oui oui. oui. Okay, oui. Ah oui Je non il n'y a pas, il y a pas un pointeur qui se. Eh ben... Immonde, immonde ouais. comme interface. Euh, dernière question. On préféré des boutons de visage, hein, tellement c'est immonde. Dernière question euh, les boutons que vous voyez à l'écran, c'est aussi technique celui-là. Sont les boutons de Escape from Tarkov, Doom Eternal, Valorant ou Counter-Strike Go Oh la vache C'est dur là. Hein non, ça c'est avec le Ready Up. C'est pas tous les jeux qui utilisent Ready Up. C'est bom Attention, c'est bom. <laughs> <laughs> Attention, parce que je crois que c'est un jeu que tu as testé. Quoi je dirais Doom Eternal à cause de la forme des, ca... des rectangles. Ouais, c'est ça. Bah, c'était ça. Pas des C'était Doom Eternal. Ouais. Pas Ready Up dans Doom. En fait, tu m'as oh. mis en erreur avec ton Ready Up. J'étais quasiment sûr que c'était Doom, mais après t'as dit pas tous les jeux ont Ready Up. Que, ah non, ça doit être un jeu avec un mécanisme ah. particulier. Bah oui, et, pas, je euh... pas. Puis tu le vois, regarde le, le, le haut avec le point à l'intérieur ouais. Ça, c'est des trucs de Doom. C'est oui, un peu vrai. viking, un peu. Attention, doux, les Vikings au point dans leur haut. Les dans les hauts. Euh, et les gens ont trouvé quand même. Euh, ouais, c'est Ta... ça aurait pu être Escape From Tarkov aussi. Mmh. surtout avec le lobby, c'est le même genre de même genre de truc. Euh, alors on va voir qui a gagné. Qui a gagné rien, hein, parce qu'il n'y avait rien à gagner. Ah, c'est tout, et vraiment. Tu sais qu'on a des mugs à faire gagner. Hein. Ah bon euh, faut, Ouais, mais faut raison. les envoyer par la poste. Ben François peut le faire. Ouais, tu crois qu'on peut faire gagner un mug a avant, bon. Attends, avant que les résultats s'affichent, est-ce que tu t'engages à faire un... Ah, je m'engage à faire gagner un mug, parce que moi j'en ai parlé à Yvan pour mon jeu à la con là du vendredi, et il a dit, il n'y a aucun problème. D'accord, oui, il faut qu'on les écoule. Bah Donc, voilà, c'est en fait... Je voulais pas dire ça devant les gens, ouais, mais on ouais, a trop ouais. de mugs en fait. Ouais, on a ah, des mugs là, là, qui sont sur et les tables. C'est ceux qui ont un défaut de fabrication. C'est ceux qui ont un défaut de fabrication. Euh, voilà. Alors, <laughs> bon, on leur explique en fait <laughs> Non, mais notamment, il y en a quelques-uns voilà. qui ont. Il euh... y a des bons mugs. Ceux que vous achetez sur la boutique, qui sont voilà. beaux. Voilà. Ils et sont on ne vous arnaque pas. Par contre, on en a eu d'autres qui ont eu un défaut de fabrication. Et, et ceux-là, on les donne. Et ceux-là, on peut pas bah, les donner. Ouais. <laughs> on est généreux. Hier, hier soir, <laughs> j'en ai offert un à ma mère. Il oh. y a une amie de ma mère qui collectionne les mugs, ah bah, elles étaient ravies. Ah bah, elles exactement. ont regardé, elles ont dit Mais non, il n'y a pas de défaut. les de 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 bien, le défaut de fabrication le rend unique en oui. plus. C'est oui. ça, ils vaudront très cher. C'est comme les timbres imprimés à l'envers qui voilà. sont euh, très courtisés. Alors les par contre, il y en a certains, le défaut de fabrication, c'est que je crois qu il y a une concentration de plomb trop élevée et, et le plomb se, se dilue <rire> dans <rire> la boisson. <laughs> si tu mets ta boisson au micro-ondes, tu meurs quand tu la bois. Les autres lancent au lieu d'être à l'extérieur, à l'intérieur. C'est moins pratique. Ou alors. boire des boissons froides. Ou alors, tu es là comme ça avec ta boisson bouillante et tout d'un coup tout s'effondre il y, y en a qui n'ont pas de fond il faut dire que c'est un petit défaut <laughs> c'est enfin, ju juste les défauts d'impression en fait, oui. sur le, oui, oui. Sur il y a le un petit liseré si euh, c'est voilà. vraiment ah, rien non. du tout mais euh... ou alors les ouais. couleurs, le rose oui. puis, qui n'est pas exactement le rose qu'on avait demandé et, tout. Ouais. et bien voilà, alors qui est-ce qui a gagné Pionne ouais, Pion ou pionni et puis bravo à lui, on n'en voit qu'un bah oui, hein. Bah, euh, pas déconner. Non, pas, non, non, faut euh... voir parce on on en, en a 500. Oui, cents. Est, <laughs> des... est... Est... Ouais. est en France métropolitaine. Hein. Ah Là, la... oui, en France métropolitaine. La moitié du volume ouais. de la rédaction est actuellement occupée par, par, des, des, par mugs. des mugs, par Madame une Madame montagne Mug. de mugs. Mais il y aura, y a un deuxième quiz tout à l'heure. Il y a un deuxième quiz. Ah, voilà, un un de... euh... On en est partout deux. France métropolitaine uniquement. parce que. ouais... On en écoule deux, on va rentabiliser la soirée. Euh, les amis, il est quasiment 9h. Je vous propose que nous fassions une petite pause. On se revient avec une seconde partie d'émission qui est quand même assez chargée. On va avoir euh, un truc très intéressant sur les normes dans les jeux vidéo. Ça, c'est un sujet ah oui, qui très, me tient très, bien, très, me très, très, très à cœur. Ah oui, Et là, vraiment. je peux vous dire, on va dénoncer. Ah parce, ouais, parce qu'alors là, les développeurs, ça va ça va gueuler. si vous développez des jeux vidéo mmh. devant votre, euh, en ce moment là, numérotez vos abattis, parce que là, on va vous dire des vérités qui sont qui dérangent qui sont pas des à vérités dire. qui dérangent euh, mais qui sont nécessaires ça ouais, va ouais. vraiment être euh, une seconde partie d'émission que je qualifierais de citoyenne on se retrouve dans 3 minutes ne zappez pas sur TF1 eh bien nous nous retrouvons <laughs> pour la seconde partie de cette émission alors avec un sujet... il y a de moins en moins de soucis de la qualité et de la précision <laughs> c'est la dernière émission euh, ici oui, ça, donc c'est vrai ça elle est d'ailleurs à la fin de l'émission on détruit le décor en live, oui, oui, en live on euh, y fout euh... le feu oui, ouais, a un ouais, grand feu de des, des petits trucs c'est les machins avec de l'alcool sous pression de l'alcool abriqué. Euh, euh, alors, c'est une rubrique que j'ai intitulée parce que ça me rend foudra. Alors, je vous le dis, hein, je vais vous demander de m'écrire euh, mon prochain article euh, voilà, en direct, hein, parce que, voilà, quitte à, euh, quitte à faire une émission, autant que ça soit rentabilisé. Euh, mon projet est le suivant. Vous savez qu'il y a un organisme dans le monde qui s'appelle l'International euh, Organization for Standardization, qui est responsable de la norme ISO. Vous connaissez les normes ISO. Oui. C'est des normes auxquelles tous les fabricants euh, adhèrent pour pouvoir simplifier le travail entre fabricants et pour que le consommateur soit sûr d'avoir euh, des trucs, ben bah, voilà, standardisés, normés. il y a quatre les pierres à la bonne taille, voilà, pierre feuille ISO. Euh... Exactement. Désolé, je. Fais si par exemple fasse. en photographie on a, vous savez, la sensibilité ISO, mmh. eh bien c'est ça. Ouais. C'est parce que tous les fabricants de pellicules ont adopté le même, euh, la même numérotation de leurs différentes, euh, de leurs différentes sensibilités. Mmh. Donc on a la norme ISO. Je fais pas, pas de photos, mais ISO 50, ISO 100, un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a un site qui répertorie ça et c'est assez intéressant à lire. De voir toutes les normes. Il y en a, il y en a pour plein. Pour il y en a pour. Vrai. On n'imagine pas. Euh, il, y il y en, en a, a pour les émissions pour... sur Twitch ou pas alors, on ne respecte pas. Hein. <laughs> il, y en a, il y en a pour... Euh, en informatique, on connaît très bien... Enfin, moi, je connais la norme ISO 9660. Ah bah crois. oui, j'en parlais encore hier. Si, c'est la norme des fichiers point .iso, celle qui permet de faire des images CD ou des oui. images sur les ouais, clés USB. Ouais, c'est fou, énorme... j'avais jamais réalisé que c'était .iso pour, ah oui, c pour ça. c'est vrai. Ouais. Oui oh là là. Quand on dit une image ISO, c'est une image qui est au format, au, au, dans Normé. le système de fichiers, oh là là. qui a été mise au point par ah, International Organization for Standardization, qui est d'ailleurs, je vous le dis, hébergée à Genève, c'est ce pas étonnant, sont, ça. Ce sont, Alors, ce sont pas des bénévoles parce que figure-toi que si tu veux dire que ton produit il est à la norme ISO machin, il faut que tu payes. Oh la là mais c'est quand même, même une, une fois que la norme a été établie. Ouais, mais c'est quand même une organisation non gouvernementale qui est pas un but euh, qui a pas pour but de de faire euh, lucratif. De, voilà, qui a pas de, de but lucratif, exactement. Okay. Mais ils ont quand même beaucoup beaucoup de moulins Bah ben je. — Parce que si ouais. tout le monde paye euh, oui. pour... Euh... — Alors après, peut-être qu'il paye 50 centimes, hein, mais, ouais, mais bon... Je... Je, je, voilà. Donc ce que je voudrais, moi, c'est une norme ISO pour le jeu vidéo. Pourquoi Parce que, vous le savez comme moi, on teste des jeux vidéo, des jeux vidéo qui proposent les mêmes fonctionnalités, qui ont grosso modo les mêmes mécanismes, et rien n'est standardisé. — C'est vrai. — Un exemple, euh, pour se baisser dans un FPS... Et eh ben, des fois il faut utiliser la touche contrôle. Et puis sur celui d'après il faut utiliser la touche X. Et sur un autre ouais. utiliser la touche C. Mmh. Et sur un autre il faut utiliser la touche espace. Voilà, il y a aucune rec... Espace pour se baisser euh, Est-ce que c'est arrivé hein. Peut-être dans Arma non, ah, oui. non. Ah, oui. non. Oui, Arma ouais. ouais. mmh. Donc voilà, il n'y a pas de norme. Et au final, et eh ben c'est pénible parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans mmh. un jeu vidéo, il faut se dire alors. Est la, ouais. Quel est le truc qu'ils ont Quelle est la cuisine euh, qu'ils ont fait euh, Ces mmh. gens-là, il va falloir que je reconfigure toutes mes touches. Mais il n'y a, a pas que sur les touches, d'ailleurs, sur plein d'autres dans, dans domaines. Alors, je suis en train de mettre au point cette norme euh, en concertation avec moi-même, mais je voulais avoir votre avis. Je vous dis ce que je voudrais voir standardisé dans les jeux vidéo, et vous me dites si vous êtes d'accord ou si mmh. non, je suis débile et qu'il faut laisser okay. la liberté créatrice aux, aux développeurs. Alors, première norme tous les jeux tous, sans exception, qui se déroulent en vue de dessus, c'est-à-dire les STR, les city builders, devraient utiliser le clic du milieu pour faire scroller la carte. Non, ça je ne suis pas d'accord non, non plus. Non. Non, J'ai lu la liste avant et je trouvais que c'était bien, mais ça, ça non. Ça, je pas Alors, je peux vous le dire, pour moi qui fais beaucoup de jeux de ce genre, par exemple, si je joue à RimWorld, ça va être clic droit. Si je joue ensuite, si, ensuite, si je passe à un jeu paradoxe, ça va être clic du milieu. Et ensuite, si je passe à Soviet République, ça va être un autre clic. Non, mais il faut une norme. Mais ouais, mais le pas clic du le clic milieu, en si mémoire, il pose plein de si. Non, parce que tu as plein de gens qui ont des souris de mauvaise qualité. Et des fois, oh. le clic du milieu, c'est dur de le faire, ça fait bouger la, ouais. la molette. Le ouais, clic du ouais. milieu, il pose plein de problèmes. Non, non je non, pense qu'il ne devrait pas exister le clic milieu. Oh Monsieur Agbou, le clic oh là milieu. Là là là, là, là. Alors que le clic milieu, il est vachement bien. Non mais si t'as une souris, il hein, faut que bien. tu bouges tes doigts. Tes doigts, tu vois, tes doigts. Ah oh non, ah non, mais c'est parce que tu sais pas tenir une souris. Oh, Amenez-moi une souris. Charles, <laughs> une faire, souris. Faut faire je vais, une de, non, mais je vais ten... vous montrer, montrer l'erreur visuelle. Vous allez voir. Chat, une souris vite, s'il te plaît. Non, mais on, on dirait une héroïne de Jane quoi. Alors là, ce qui me dit, une souris. Non mais une vite, une souris, une souris s'il vous plaît, une souris. Non, alors, ça, ça me scandalise. Les gens qui disent, on me l'a déjà dit quand je faisais des streams <laughs> sur le <laughs> chat, il y a des gens qui m'ont dit Ah bah ouais, mais il faut bouger le doigt. Mais c'est parce que vous êtes des teubés, vous savez pas. Ouais, vous savez pas... Non, mais savez pas, tu poses je les dis doigts, les trois doigts. Mais... Majeur sur le bouton central, Exactement. annulé. Et le... c'est le... comme le... ça que Dieu l'a voulu. Dans la Bible, c'est marqué comme ça Jésus tenait sa ah, je suis souris comme, comme ça. comme ça aussi, ceci. Maintenant voilà, que évidemment, évidemment si tu le... tiens ta souris comme ça pour, acc pour accéder au clic du milieu, tu es obligé de faire ça, mais c'est stupide. Mais maintenant, il y a. Ça veut dire que le clic droit que tu utilises quand même beaucoup plus que le clic du milieu. Je l'utilise avec, avec celui-là. Ouais, mais tu vas le faire avec l'annulaire, oui. qui a un doigt beaucoup moins précis que le majeur. Tiens, regarde comme il est précis. <rire> <bon>. <rire> le mien, il est super puissant. Regarde, je peux le bouger indépendamment et tout. Alors, euh, Monsieur voilà petite leçon Cha pour les gens ouais, qui disent le cul du mien, c'est pas bon. Trois plombs, ouais. bon. voilà, Ça, c'est comme ça que les, 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 les clampins, les clowns, les guignolos utilisent leur souris. Ils font ça. Une souris, ça s'utilise Comme ça. Voilà. Non, non, non. <laughs> alors je voir, alors je, je, je propose, propose qu'on norme aussi l'utilisation de la souris <laughs> oui, pour voilà. que les gens aient l'obligation d'utiliser comme je ça. C'est naturellement, moi, attends. Ah oui, ah, bah, 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 voilà, non, je fais comme ça. Comme ah oui, ben bah, voilà. Ouais, ah, bah, bah, voilà. Ah, non, mais comme dans les années 90, c'est-à-dire que t'as pas, euh, pas mis à jour ta tenue de souris, je trouve ça incroyable. Bah, il faut faire un sondage. Ah oui, je Un faire okay. un sondage. Fait un sondage chat. Utilisez-vous, Utilisez les trois doigts, une touche qu'on appelle un trois un doigts normal tu veux dire. <laughs> non, mais non mais le mais clic non. milieu il est pas agréable. Oui, même mais c'est parce que vous avez des souris. Merde. Non, j'ai une Logitech Superlight, il est, super il il est pas... bien, il est clic. Attends, tu est... vas même dire que le clic droit c'est euh, pas plus agréable Ben oui. T'as une vraie surface à appuyer Oui, mais le clic droit il est plus agréable, il peut être utilisé pour un truc important aussi, comme par exemple donner un ordre, sélectionner une unité, appeler. Mais de toute façon, moi je suis, alors moi je suis d'accord pour le clic milieu pour faire pivoter la caméra. Oui, là je suis plutôt d'accord voilà. aussi. Non, mais voilà, alors, là on marche sur la tête, là, bien sûr. Mais bon, si, pour parce rappeler, que le menu faut... des options, pour mais fermer non, le mais jeu, f 4 le fusil roi, faut... étant moins ergonomique, façon... c'est inévitable. Peu importe comment tu la tiens, il sera toujours moins ergonomique, parce que la surface à appuyer est plus petite, qui a la molette aussi. Et ben du coup, il vaut mieux le mettre pour un truc qu'on utilise moins souvent, en l'occurrence, faire pivoter. Ouais. Hum. Et il faut que faire pivoter, tu puisses le faire avec la souris, on est d'accord ou pas On va avoir débat jusqu'à 5h du matin. Euh, alors... Oui, par voilà. exemple, tu peux le faire avec le clic droit. Dans ce République, tu le fais avec le clic droit, ça marche très bien. Si tu fais pivoter la caméra non, non, avec non, le clic non, droit... Il mais mais oh, y a un, un bon. bouton. Et, tout tout fait, et, pour, et, pour, et pour faire scroller euh, la, la caméra... La souris vers les bords de la map. Oh, ça, c'est dégueulasse c'est un peu crade. C'est ah ah, comme ça qu'on se retrouve des fois. Tu fais que ça ouais. Non, je fais... Euh, Faites QSD, quand même. Ouais, ouais, ça, c'est mieux. Alors, mais... ma, ma mère fait comme ça, cela dit. Hein. Genre, bah, bah, euh... elle... Ah ben, bah, je vais faire... Je vais scroll... J'aime bien ma mère, évidemment, il n'y a bah, pas de souci. Euh... Je... Même j'aime ma mère. Mais euh... voilà, bah, je vais faire scroller. Ouais, bah, 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 là, 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 vrai, Moi, j'ai que ta mère avait beaucoup de qualité. Je sais que vous entendez très bien. On s'entend plus que bien, mais bon... Et non, mais le, voilà, okay. le, le truc, le, le scrolling sur. D'ailleurs, ça se désactive dans plein de jeux. C'est pour un truc que je fais, je désactive. Ah non, moi, je. je surtout je quand, fais quand as une config double le... moniteur et que tu vas aller cliquer sur ton moniteur d'à côté. Mais la, oh. vra... la vraie info, c'est que ta mère joue à des STR. Non, 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 ah, non, ouais. je, non inventé ça. Non, non, elle, elle est niveau 1890 à Candy Crush, mais non, non, elle joue pas. Bon, bref, c'est un jour. Euh, non. Ah, je suis étonné parce mais que, que je... minorité, hein, tu es en minorité. Non, mais c'était. Alors, quel a été le résultat du chat Est-ce que le chat utilise en configuration tri-digitale ou bi chat Voilà, voilà, incroyable, incroyable. Vraiment dans l'extrême minorité là. Avec Alors ça... oui, Jésus était, Jésus aussi était en minorité <laughs> au début. Vrai. et On a vu ce que ça a donné, mais de toute façon, enfin, ils l'ont quand même crucifié. Hein. Je suis prêt. Suis... Ah, tu sais quoi pour, ce... <laughs> pour le clic milieu, allez-y. C'est vrai. Allez-y. <laughs> Clouez-moi les poignets, ça ne me dérange pas. Bon, donc ça vous n'êtes pas d'accord. Alors, je vais tenter une autre norme qui, celle-là, je l'espère, sera beaucoup plus consensuelle. Mmh. Tous les gamepads. Xbox, Nintendo, Sony devraient avoir le même schéma de boutons ABXY ou euh, rond, carré, euh, croix, triangle. Oui, oui c'est vrai, vrai. Parce que ça, c'est une aberration mm. que le, le, le croix, euh, que la croix, le carré et tout soient pas les mêmes. Oui. Je crois. Oui. C'est entre. Euh, alors, euh, il me semble que. Hum, euh, Microsoft c'est A, B, X, Y ouais. et Sony et Nintendo ils ont les petites formes ouais. et c'est pas les mêmes, alors le chat pourra confirmer parce que Oui jamais les positions ne de... correspondent pas pour le B qui est généralement annulé sur, euh, alors, sur alors ça c'est euh, voilà, insupportable. Non, Après lequel schéma on adopte Il y a des gens qui disent le schéma Nintendo il faut l'adopter euh, ah, Moi je ou suis ou plutôt face. schéma Xbox mais... C'est oh, ou ouais. voilà, vrai qu'à la limite il ouais. n'y a pas d'importance Comme si c'est euh... juste et puis ouais. comme ça, il n'y aura pas de soucis quand tu passeras d'un gameplay. Bah, c'est vrai, vrai que moi, j'aime pas trop le Microsoft de nommer les touches X, Y, machin. Je préfère qu'on se donne. Dé... Enfin, moi, c'est pas tant le nom que la position et, la, et le, le, le sens. Ouais, bon, ouais, si ouais. tu choisis. Un... La là, c'est plus facile qu'un clavier, comme il y a moins de touches. Si tu choisis, en gros, euh, la logique tu vois, des boutons euh, Xbox, tu la retrouves toujours un peu pareille. Par exemple, le B sert Le pour B venir sert à rien les menus. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Le bouton sert à rien il sert plus à l'extérieur. Il sert à. Les coups les plus puissants dans les jeux, la plupart du temps, etc. Et ça, ça peut être quand même une norme. Oui, c'est vrai. Donc ça vous êtes d'accord Eh bien merci quand même. Alors ça vous allez être d'accord aussi. Tout, et ça, ça nous arrive beaucoup, surtout si on teste euh, quand on teste des petits jeux indés. Tous les jeux devraient par défaut détecter et supporter les claviers azerty. Ouais, oui, c'est ben un, un taf. Hein. Et puis surtout, c'est même pas un taf. C'est une question 30 de... minutes. Faire un jeu, c'est un taf. Ouais, déjà c'est un taf. Non mais 30 minutes. Alors, oui. Alors oui. Un, alors oui. En oui ou non. Sur Unity, <laughs> je crois que tu achètes un truc 1,90€ sur le, le Unity Store et puis ça gère, ça te gère tout. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un problème de méconnaissance. Tu vois, imagine, dans un obscur pays d'une ancienne République soviétique, ils utilisaient un clavier différent. Tu penserais à faire un setup pour eux dans ton jeu Non. Et c'est pareil pour un Américain, je pense. a toujours vu des QWERTY, tu vois. Oui, mais l'AZERTY, on est quand même quelques dizaines de millions à utiliser. L'AZERTY, ça va être la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, peut-être. Il y a le QWERTY aussi en Allemagne, qui est un peu différent. Enfin, les claviers locaux, il y en a. Mais au moins, ne pas hardcoder. Tu vois, enfin, tr ouais. trouver un moyen pour que Q, pour que euh, Q, machin, enfin oui. les QWSD ne soit pas, ne soit pas recodé comme ça. Ouais. wsd pardon. si on jouait tous en Dvorak. c'est vrai. Tout serait tellement. Non plaisant. mais, non mais ça, ça serait une norme. Si on avait des couilles, eh ben, on et les poserait vrai. sur la table et on dirait maintenant, on arrête avec les claviers azerty qui sont pourris et on passe tous les claviers en Dvorak. et, 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 et l'humanité taperait plus vite mécaniquement. Mais du coup, dans la même logique, par exemple, tu voudrais que tous les jeux qui utilisent le système métrique aient aussi une option pour passer en système impérial. Non, bah. Non, parce que le système métrique est tellement là, tellement supérieur au, au système impérial. Ah. Cela dit, attends, mais bah, c'est la même chose. Cela dit, moi ça m'est arrivé d'être gêné par des jeux, alors dans le sens inverse, des jeux oui. qui me proposaient par exemple que des miles per hour, alors oui, que oui. moi je voulais les kilomètres heure parce que le miles per hour, ça ne dit pas grand-chose. Mais es logique, tu vois, logique, le azertique il y a que nous qui l'utilisons, tu penses qu'il faudrait que ce soit utilisé, mais l'impérial qui est utilisé par, que par les États-Unis, non, euh, c'est pas grave Non, oui, tu as raison. Non, ça, effectivement, ça pourrait faire partie de la du coup, ça veut dire qu'il qu faut prendre en compte... Toutes les spécificités de. Tu vois euh, Du coup, tu mets le doigt dans l'engrenage là. Et puis il y a un point qui est un peu dans ton histoire de clavier. Si jamais c'est juste avoir un bouton switch pour passer Azerty, QWERTY, qwertz, enfin les principaux oui. setup, oui. ok. Si jamais c'est dire, comme tu semblais le dire, qu'il faut pas que les touches soient hardcodées hard dans les jeux, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Dans tout le jeu, ça devrait être configurable les touches. Mais pour des tout petits jeux indés, genre des trucs vraiment à 10 balles, enfin ça, à 5 balles ou des machins, tout fait de Rick C'est du taf. Ouais, c'est chiant en fait. Quand, as, quand as un jeu avec une UI minimale, genre un tout petit jeu d'action et tout, avoir à faire une, une page d'UI de, de configuration des touches, c'est du taf. Hein proportionnellement euh, au mais voilà. mais tu sais qu'il y a plein de les jeux aaa ils te détectent automatiquement ton clavier ils te proposent même pas l'option ils te détectent automatiquement ton clavier mmh. et ils savent qu'ils doivent assigner euh, ZQSD ou WASD selon le clavier qu'ils détectent et ah, ça c'est un call et ça c'est un à l'API Windows qui va prendre deux lignes Ouais, euh, if, ouais, mais après, t'as des cas... If winkeyboard des... égale azerti, tu fais ça... je peux le dire, je suis aussi développeur professionnel. <laughs> euh, Donc, des... ouais, ouais, je pense que c'est un peu compliqué que ça, je pense pas mmh. enfin, si, Le problème, c'est que tu, ben, tu codes, tu vois, il y a quand même une différence entre le on voit ça on, euh, avec euh, tout ce qui est OpenTK ou, ou OpenInput, il prend les codes clavier qui ne correspondent pas forcément à la touche ouais. et du coup, ça peut créer des layers de merde. Non, je pense c'est plus compliqué que ça. Y que QWERTY, y le, le blep, le euh, il y a d'autres trucs que Lazerty et le QWERTY. Il y a le BLEPRTY. Tu as ah oui. le BEPO, le Dvorak. Ouais, le... Non, non, non. Mais... Ah, dans, le, dans, le BEPO, on Tu as des variantes du QWERTY. Dans des pays. Oui. Tu as des variantes du QWERTY, ouais Mais c'est des QWERTY avec les diacritiques de, voilà, de ce... ça. cette langue. Alors, il y a Niblet euh, qui, avait un, qui avait une bonne idée qui disait autre idée, standardiser le QWERTY. Et là, je dis. Bah oui. Hein. Oui. Bah oui. Ah euh, oui. ouais, mais le problème, c'est qu'il y, y a le bordel qui est en face, c'est que les gens, au contraire, ont envie. Enfin, Remarque que si on se de QWERTY, on n'aura pas les caractères spéciaux des différentes langues, genre les caractères accentués en France. Et, euh, ouais, mais et ça, ça va tu... poser problème parce qu'actuellement, les gens se plaignent déjà que la plupart des caractères spéciaux du français ne sont pas sur le clavier azerty standard. Ce qui et est pas. Tu, tu, mon et sens. tu, tu, tu et standardises pas. un clavier et tu mets cinq touches sur le côté qui servent pour les diacritiques de ta langue locale. Euh... Ou non Ou tu... Si, tu voudrais taper les diacritiques à part, par exemple, faire accent aigu, E. On fait déjà pour l'accent circonflexe. Ouais, mais il y a beaucoup moins d'accent circonflexe que d'accord avec l'accent. Ah, oui, mais oui, sinon, oui. mais je vous... tous les claviers sont reconfigurables avec un truc comme AutoHotKey. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je peux appeler ah, les... Right. Moi, moi, ah, moi, les. Moi, j'appelle les. j'appelle les... les. pour les, les... 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 les, les, les gros guillemets, guillemets hein. en faisant, euh, je crois, euh, DD et QQ. Ah oui. Voilà, non, je, non. Fais, je fais un double D, ça DD, me D, fait D, un guillemet. Et QQ, ça me fait un. Alors moi, je fais pas ça du tout je trouve que c'est de la déviance, c'est horrible. Mais par contre, mon astuce, c'est pas génial, c'est qu'à chaque fois que j'ai besoin d'écrire, tu copie-colle. Oh le dégueu. Oh le <laughs> CCDI sur Google. Oh, le ah, tu sais que j'ai euh... ça 15 fois par jour. Tu sais qu'il y a des pilotes, de oui, y a des pour pilotes Linux spéciaux. pour euh, Windows pardon, oui. qui te permettent de d'avoir tous les caractères spéciaux du français avec le la 1,5 ko que tu installes en un clic. Je te file un lien c'est euh, incroyable ça. et après moi je suis tout comme ça, je suis ah bah je vais me faire Tiens, je vais me faire un E accent grave ouais. jusqu'au voilà. et tu claque. peux faire euh, très bien. Bon donc les claviers Azerty n'a pas non plus beaucoup de succès euh, tous les jeux tous les jeux devraient utiliser la même touche pour appeler l'inventaire ou la carte, qui sont oui. quand même des trucs voilà, classiques. Je vote pour cette motion. Voilà. Alors, notez que je suis prudent, je ne dis pas quelle touche, même si j'ai mes idées. Par exemple, l'inventaire. Alors, moi, l'inventaire, j'aime bien le mettre sur. Mais ça va vous faire hurler, j'aime bien le mettre sur A. Pourquoi Parce que tu es avec ZQSD et le A est très facilement amenable à le Il peut servir pour le lean vrai il, il peut, peut servir, servir alors, pour des trucs genre des grenades alors, ou des machins. Alors, comme le, ça. le grand classique, le tab. Ou pour faire pivoter C'est qu euh, ce qu'ils disent sur le table. Table, ça a trop de fonctions. Tu prends Rust, par exemple. Tu, Dans Rust, effectivement, l'inventaire est sur A parce qu'il n'y a pas de ligne. Ouais. Mais table, du coup, c'est le menu de craft qui est au moins aussi important. Mais pourquoi tu ne veux pas le mettre sur I Parce que tu dois déplacer tes. Ah oui, non, pas voilà. c'est pas ouvrir en urgence. Si, ça dépend il, des il, jeux. Faut que, il faut que ça reste appelable euh, de, de, depuis ZQSD, en fait. Depuis alors, la position ZQSD. Il faut passer au modèle Azerty avec un I et est comme ça on oui, pourra l'avoir avec le pouce. Ouais. Mais dans le, le qui est très bien c'est euh... que tu peux courir et dans en même temps avec une seule main ouais, tu appeler peux ton appeler cra... euh, ton inventaire, le menu de craft, crafter des trucs et tout ça tout en courant. Euh... Bien de voir qu'en en l'espace de 10 minutes de débat, vous avez quand même réussi à montrer pourquoi c'est pas normalisé en fait, c'est <laughs> Non, moi je trouve <laughs> bah, que c'est plutôt euh, bien, bien parti cette ouais. norme. Je, je, je vois un grand succès cette à l'international. Où est-ce qu'on met l'inventaire Pour l'inventaire. sur le bouton milieu. Tu peux le mettre W. Non, non. Si ça le marche bleu. très bien. vous le le lever, ça sert à s'allonger déjà. Non, c'est X ou C. Non, X, X c'est s'accroupir. <laughs> non, mais j'y peux rien s'il y a des détraqués, moi, après. Si les mecs qui... Voilà. X, c'est maintenir position accroupie en norma. Et contrôle, c'est accroupi, mais toggle. Voilà, exactement. Enfin, ouais, en, 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 push, en ouais. push. Push, ok. Bon. <laughs> Pour l'instant, donc, donc on apprend que dans tous les jeux, il y a une touche accroupie, push, et une touche accroupie, toggle. Oui. Alors justement, c'est la... C'est la... Oui. Ben, Cruiser Kings 3, c'est pas du juste oui, les FPS. Tout le de FPS. Oui, oui. Une touche importante qui n'est pas standardisée, la touche action dans l'FPS. FPS. Oui, des fois c'est F, Duty, des fois c'est E. Call of Duty, ouais, ils vrai. ont fait le même problème, c'est E pour jeter une grenade. Oh, Putain, je me suis flagué en ouvrant des portes, mais je sais pas combien de temps. Alors qu'est-ce qu'on adopte, F ou E Pour actionner, pour genre ouvrir une porte e. E. Ah non, moi Alors, je suis F, moi je suis F, F aussi. Bah, moi suis... Oui, oui. Ça c'est pas gagné. Pourquoi pas E pas gagné bah parce que eux ça peut servir au line. Oui le line. Ça sert à autre chose. Euh, eux, ouais. eux, eux traditionnellement ça servait aussi ouais. à recharger par exemple dans Counter Strike, il me oui. semble que les standards par de, le standard par de, le, le contrôle par défaut c'est eux e pour recharger. on ouais, peut l'avoir aussi. Là, avec ouais, R c'est ouais. bon, R pour... ouais. ben, voilà on normalise ça. F, R, R, R pour recharger. Bon, okay, on a on ça, fait fait, bon. reload, on ça fait reload, ça fait recharger. Et en même temps c'est pas pratique F parce que c'est juste à côté du bouton grenade même s'il est G C'est vrai que le bouton grenade est souvent G et il faut vérifier l'écart de doigts quand tu fais ta translation de doigts. Ouais mais bon. Non, par contre, euh, le mettre sur F, c'est bien. Et A et E, je pense qu'il faut les garder comme touche réservée, ou pour le lean, ou pour des ou pour, actions rapides, ouais, ou pour d'autres ouais. fonctions. Euh, ouais. oh bon, euh, on avance, on Alors celle-là, par contre, on avance sur un truc qui nous rapportera jamais une tune <laughs> et qui n'ira nulle part. mais on avance. Celle-là, <laughs> je suis prêt à mourir sur cette colline. Je ne tolérerai aucune dissension parce que ça, vraiment, c'est essentiel. L'humanité en a besoin. Tous les jeux avec défilement du temps variable, vous savez, par exemple, un City Builder, un Crusader Kings. Devrait utiliser la barre d'espace pour faire pause. Oui. 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 oui, oui, oui. Bon, même, le chat, dites oui. Dites oui, bien sûr, barre d'espace pour faire pause. Tous les jeux avec une pause active ou une variation du temps, c'est. barre d'espace. Ouais. Alors, sauf si c'est un FPS, par exemple, avec ah, un contrôle d'accord. Voilà, oui, ok, très bien. Vous savez, ça, c'est un truc euh, en secret, quand un jeu ne propose pas le, la, la pause en barre d'espace à sa marée, sur, ah ouais, sur des, drôle, des, des city builders indés, oh, des, des trucs comme toi. ça et tout. Mais euh... si c'est un jeu où tu peux sauter dans ces cas-là je pense que le saut doit avoir la priorité parce ouais. que historiquement le ah, saut oui. sur la barre d'espace ça date de l'époque de, de ça date de Quake Doom, premier Quake ouais. on mais pouvait pas coup, sauter dans Doom est-ce que le Quake. corollaire on est bien d'accord que c'est pour contrôler la vitesse d'écoulement du temps c'est 1, 2, 3, 4 alors et s'il y a des armes aussi dans le jeu Ouais mais c'est pas les mêmes genres de jeux. Contr contrôle variable du temps ça va pas être un FPS. Ouais. Ça va pas être un FPS, ça va pas être un Twin vrai, Shooter, ça va, ça va pas être un... Ouais, voilà. ouais. Contrôle variable du temps c'est vraiment jeu gestion, Donc, stratégie... Moi je suis choqué quand c'est un jeu, un city builder où tu peux changer le temps et que 1, 2, 3, 4 ça fait pas du tout... Ouais, euh, oui il y a des statiques qui mettent F1, F2, F3. Ouais, non, non mais, mais le F1 c'est très mauvaise plus, plus utilisé. Moi, ouais, moi j'avoue ouais. que ce que je fais en général dans ces cas-là par exemple sur les jeux paradoxes c'est que j'écris aux développeurs et que vous avez fait intolérable. Non, je reprogramme avec AutoHotKey un truc qui me permet de changer le temps en faisant un euh, pouce avec la souris et molette. Non mais arrêtez avec votre eh ben, souris. Non mais ça marche assez. Non mais alors là non mais, je... Linux, là, non mais voilà, je sais que c'est trop raffiné pour vous. <laughs> vous êtes et tout. Jamais je tu remplaces Une touche, tu mmh, Cette touche n'est pas idéale. Je vais plutôt faire un truc cabalistique qui, qui ne <laughs> plus <c 'est rire> une ça, ça marche très bien. Ça fait des années que j'utilise ça sur les sur les paradoxes. Il y a un truc sur lequel on va pouvoir tous se mettre d'accord. Et là, on va pouvoir terminer mes propositions dans une belle unité. Tous les, touches, tout, euh, tous les jeux devraient avoir toutes les touches reconfigurables. Il bah, ne devrait y avoir disait. aucune touche hardcodée. Un exemple qui m'a rendu fou, Cyberpunk 2077, il y a 30% des touches qui sont hardcodées, mmh. c'est insupportable. Ouais. Pareil, les jeux Paradox, Dieu sait si j'aime Paradox, hein, c'est satané suédois. Sur leurs jeux, il n'y a pas une touche qui est reconfigurable. Ouais, ouais. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans qu'il faudrait... Et voilà. Cruiser Kings 3, on est toujours en wsd hein. C'est voilà. ouais. épouvantable. Donc, ça, vous êtes d'accord. Voilà, tout le monde sur le chat. Voilà. Là, ça, encore une fois, pour des petits jeux indés, ça demande du taf de faire reconfigurer les touches. Ouais, mais je... enfin, surtout de faire l'écran de reconfiguration. Ça demande, touches, mais... Ouais, mais ça demande aussi du taf de, de lancer l'éditeur de code pour faire son jeu. Voilà, Je pense que c'est vraiment des trucs essentiels. Tu peux, tu peux plus passer à côté de ça en 2022. Ouais, il faut vrai, que les touches soient, soient reconfigurables. Bah, c'est justement le jeux... but de cette norme c'est de dire il y a des trucs on ne peut pas transiger. Et le jeu qui se joue qu'à la manette est-ce qu'il faut reconfigurer ouais, si on... aussi ouais. la manette il faut, il faut. Ah oui. Il faut. Ouais, ouais, ouais. Il faut donner cette souplesse okay, okay. aux gens. Euh... Non mais je veux bien. Ouais, C'est essentiel. Un jeu comme par exemple Rocket League. Tout le monde a sa propre config de manette et ah ça ouais. marche. Ah ouais, bah, tout le monde vraiment. Alors tu as des configs part dans tous les sens et ça marche et ça marche très okay. bien. Voilà. Bah, okay. Est-ce que euh, vous avez vous des propositions de normes que vous souhaiteriez voir adopter oui, oui, moi j'ai oui, une qui m'est venue tout de suite. Euh, c'est vraiment mon, mon cauchemar dans tous les jeux quand ça arrive. Je, je devant mon PC je, je pète un câble. C'est les jeux où il faut pas appuyer une fois pour faire une action ou sauter une cinématique, mais maintenir. Mainten... Alors oui, mais ça c'est vachement bien. Non, ah non, non! Ah, si, moi non. je trouve ça bien! Non. Non, mais... Ça évite les appuis accidentels! Non, mais ce qui est... les appuis accidentels! Non, mais alors, à bah, es... qu'est-ce que tu fais quand <laughs> tu joues? Tu fais ça avec le clavier? Oh, j'ai fait un appui accidentel! Situation théorique, tu es journaliste de jeux vidéo. Oui. Tu vois une, une cinématique, tu dis, c'est pas mal, je vais faire un screenshot. Tu appuies, ça zappe la cinématique. Alors que tu as fait exprès de le binder sur la touche supérieure-inférieure que. Non, mais après, tu, bah, tu peux es pas, es pas es... zapper la cinématique avec F12, ça c'est aussi le jeu qui est... qui est débile. Bah oui, mais bon. Mais euh, non, non, mais non, à, à la limite, non. peu importe qu'on choisisse appuyer ou maintenir, mais juste qu'on se mette d'accord. Parce que les jeux où t'es habitué... Parce que la plupart des jeux, il faut juste appuyer. Non, mais il faut juste appuyer. Tu, voilà. tu, à et chaque fois, tu perds 0,3 secondes. T'imagines, oui, oui, oui. on est des milliards de joueurs. Si à chaque fois qu'il faut appuyer sur voilà. un bouton, on doit maintenir 0,3 secondes, à chaque fois, on perd 0,3 secondes. En termes de points de PIB mondial, c'est criminel. Et quand tu sors d'un jeu où il faut juste appuyer et que as et qu tu as un jeu il faut maintenir, et à chaque action, tu appuies juste et après, tu fais Ah oui, non, c'est vrai, il fallait maintenir. Bah, désolé, j'aime bien bien. Eh ben, tu maintiendras, appeler... mais bon. tu seras seul. <laughs> pour zapper les cinématiques, j'entends. Pour zapper les cinématiques, pourquoi pas Mais il y a des jeux dans les jeux, dialogue Ah oui, non. C'est pas Moi, je parle pour les cinématiques. Vous savez quoi Pour zapper les cinématiques, c'est simple. Escape. Oui. Et alors, ah, C'était mon corollaire. Vrai, il faudrait standardiser vrai. ça aussi. Vrai. Alors, tu veux zapper les cinématiques Et je pense, pour continuer sur ce que tu disais sur la configuration des touches, il y a une touche qui ne doit pas être configurable, c'est Escape. Déjà parce que elle sert pour ces trucs-là, et en plus, elle sert pour annuler quand tu configures et trucs comme ça. Tu la seule. Ouais. Ok. Oui, vrai. Il y a Docteur jarqui qui dit Enfin, parlons des vrais problèmes dans le monde. Merci. Mais ben oui. merci, Docteur. Voilà. Ça, c'est une émission qui aborde les problèmes qui intéressent les Français. Euh, voilà. Normalisation des jeux vidéo. Est-ce que tu avais d'autres voilà, merci. Quelqu'un qui dit maintenir dans No Man's Sky, c'est très pénible. Je oui, l'avais oui, installé sport, récemment. Ouais. C'est vrai que dans les aussi. jeux où à chaque fois que tu veux parler à un PNJ, il faut maintenir, c'est très ah, chiant. Ah, 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 là, Et puis alors, des fois, de mais mais c est... C est mmh. des mois, il faut maintenir. C'est incroyable. Mmh. Oui, tu oui, oui, as oui. le temps de voir grandir tes enfants. Tu <laughs> t'appuies comme ça, tu dis putain, c'est bon. Non, non. Tu la petite jauge qui fait comme ça lentement. Ça, c'est du sadisme. Est-ce que tu as d'autres idées de. Le pire, c'est les jeux où tu sais maintenir pour faire une action, mais qui ne met pas en pause le jeu. Donc tu crois que tu l'as faite parce que tu as appuyé sur la touche. Et donc tu, tu vas faire euh, non là, je la comprends pas bah, par exemple genre jeter une grenade c'est euh, rester appuyé sur G ouais donc appuies sur G et je sais pas tu crois que tu as jeté ta grenade et en fait tu l'as pas acheté en fait tu l'as pas jeté. Ouais. voilà horrible et euh, non du coup mon corollaire c'était pour sauter les cinématiques mais on en parlé sauter les cinématiques donc voilà, standardiser, standardiser sur échappe euh, mmh. voilà parce que c'est bombe moi je pense que euh, je suis d'accord avec tout ce que as dit là euh, mais je pense qu'il faut aller même plus loin et aller au-delà du jeu vidéo, il faut normaliser tout. Ah, bah le il faut question. normaliser le monde. Non, mais. Parce que tu vois, non, mais non, même, non, même tu vois, sur, euh, déjà dans l'informatique, il y a plein de Attention. programmes. Euh, tu vois, je sais pas si tu utilises Notepad, comme tout le monde, parce que c'est un super éditeur de ouais. texte, qui rajoute plein de raccourcis. Et c'est un truc que tu dans les éditeurs de code aussi. Genre, Ctrl-U, quand tu sélectionnes un truc, ça te le passe en minuscule. Ctrl-Shift-U, ça te le passe en majuscule. Tout le bloc sélectionné. Et des trucs comme ça, tu utilises. Alors dis, que Ctrl-U, pas... ctrl normalement, c'est underline pour moi. C'est oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc, ça va, -être, donc, ça va être ça. Ah là 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 mais là là. Bref, en tout cas, il faut réfléchir à ça. Mais il y a plein de commandes, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas standardisées partout quoi Ouais. Partout, partout. Et, euh, et dans le jeu vidéo, vous savez, il y a un seul truc qui a été normalisé, standardisé organiquement par tout le monde, en fait, c'est le WASD. Et vrai. le WASD, il a été standardisé parce qu'à la fin des années 90, il y a eu un tournoi de Quake. Et il y a un joueur qui s'appelait Denis Tresh Fong, qui était très connu, Tresh. Il était, c était ah, le président de, de, de la comité ISO à l'époque. <laughs> et euh, il a défoncé tout le monde à un tournoi. Et à l'époque, euh, WASD n'était pas du tout une configuration standard. Oui, les joueurs jouaient avec les flèches. Les joueurs jouaient avec les flèches, avec IJKL, avec voilà, chacun mm. de ses petites sauces. Et lui, il a adopté ce truc. Et l'information a circulé sur les, sur les réseaux, enfin sur les, les, les newsgroups de l'époque, que c'était sa configuration. Tout le monde a adopté sa configuration. Et suite à ça, John Carmack. Donc Quake 2, a dit Eh bien, maintenant, la configuration en standard mmh. de Quake, ça sera WASD, ZQSD. Ouais, j ai, j ai... Et c'est comme ça que le ZQSD s'est standardisé. Mais moi, pendant des années, J'utilisais, je décalais d'un cran, j'utilisais euh, E, J... Ah oui, euh, mais il y a pas, encore ça. Ça, voilà, ça donne des boutons en plus à gauche. Exactement, et... avec le petit doigt, t'as plus ouais. de boutons. Je pense de... que si les gens arrêtaient de faire ça, c'est juste que c'est chiant de le reconfigurer dans chaque jeu. Oui, et il oui. y a des jeux qui le permettent pour pas pour ça. Ça que arrêté de faire mais ça. Mais moi, c'est j... notamment à cause d'Arma, parce j... que c'est un oui. reconfigurable. Mais Arma, c'est horrible, il y a tellement de touches. J'ai une confession à faire, c'est que pendant très longtemps, et je crois quasiment jusqu'à mon arrivée dans Canard PC, je jouais à tous les jeux avec les touches fléchées. Mais c'est et je trouvais ça trop bien parce qu'autour des touches fléchées t'as plein rien. de touches. Ah ben bah non y a rien t'as rien avec le pouce. Euh... Après vous avez si, as le, le haut du pavé numérique, le zéro du pavé numérique. Il a plus de pavé numérique. Ah ouais ah bah oui. Ouais, c'est vrai c'est vrai t'as le haut du pavé numérique. T'as les grandes touches supres, euh, etc. C'est vrai que tu as le contrôle, t'as le, le alt à côté. À côté euh, ouais mais à chaque fois tu les as pas directement sous les doigts. Ouais. Chaque fois t'as un saut faire. Il faut que tu quittes un petit peu. Le vrai problème c'est que du coup j'étais comme ça parce que c'est pas devant toi pile. Ouais, il aurait oui. dû décaler son oui, mort, oui, mais vrai. du coup, ça aurait été le, du... un, un vide existentiel Mais je, ah, mais je crois vrai. que je le faisais et que c'était horrible parce que du coup, mon clavier dépassait à gauche du bureau. Fin, euh... Ah oui, oui non, ouais. on ne dire plus. Ouais. Ce n'est pas des vies. Hein. Voilà. Euh, bon, ben bah, voilà. Bah, J'ai bien entendu vos remarques sur mes propositions normes. Évidemment, je n'en tiendrai pas compte dans mon article, <laughs> euh, mais je constate avec euh, mais... une certaine amertume qu'on n'est pas d'accord sur tout Est-ce que le, le comité ISO, c'est comme le, le, le consortium Emoji, tu peux faire des, des propositions oui, alors de ce que j'ai lu, euh, c'est qu'en fait, chaque pays a un correspondant. En France, il y a un correspondant bénévole de l'International et euh, ils se réunissent entre eux, ils ont un secrétariat, à tout ça. Et quand ils doivent déterminer des standards, en général, c'est l'industrie qui leur dit Bon, bah là, on fait tous un peu n'importe quoi, il faudrait qu'on fasse un truc en commun. Et ce sont des acteurs de l'industrie qui vont se réunir. Par exemple, pour la norme ISO dont on parlait, le fichier de. Bah, c'est Microsoft, Apple, mmh. des gens de, de, de l'open de source qui sont réunis, qui se sont dit Il faut qu'on fasse un système de fichiers commun pour laisser des okay. robes, comment est-ce qu'on s'arrange mmh. Et puis, ça se passe comme ça. Mais malheureusement, j'ai vu qu'il y avait aussi des. Des, des, des problèmes parce qu'il disait que justement les normes étaient souvent beaucoup noyautées dans l'intérêt de certains constructeurs pour favoriser ah, certains hum. constructeurs puissants hum. plutôt que d'autres. Et c'est pour ça qu'il y avait des gens, notamment dans l'open source, qui commençaient à dire l'ISO, en fait, on va arrêter parce que c'est surtout fait pour des intérêts commerciaux plus que pour l'open source. Comme quoi le capitalisme détruit tout. Exactement, mais ce n'est pas une nouveauté. Wow. le voilà, l'a Carl a dit il y, a, il y a 200 ans. <laughs> il y a longtemps. Hein, donc, euh... <laughs> Euh, je voulais faire un sondage Twitch pour savoir si une norme ISO du jeu vidéo vous vous paraît vous paraît-elle paraît-elle nécessaire au, au chat. je pense qu'ils vont dire non, ils vont dire non, t'es nul. Je les connais parce qu'ils sont voilà, ils sont pas euh, ils sont pas dans le ils vont pas vouloir m'encourager là-dedans. Donc on va passer tout de suite à la rubrique nos jeux du moment et Isuel, je te propose de commencer avec, avec ton jeu du moment. J'étais vu euh, faire un stream il euh, y a. Lundi, je crois. Samedi, je t'ai chauffé euh, la place. Ouais, 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 ouais. sur euh, mountain Blade 2 Bannerlord, donc il vient de sortir en version finale il y a quelques temps quand même, il y a quelques semaines maintenant. Non là, il y a, il y a une semaine. Euh. Une semaine, ok. Euh, il était en early access pendant pas mal de temps. Ouais. Alors j'avoue que je l'ai acheté quand il était en early access, j'ai pas pu, comme le premier, parce que c'est vachement bien, mais c'était testé bancal, puis c'était très bugué à l'époque. Je me suis dit, je vais le faire quand il sortira en version finale. Euh, Est-ce que je peux m'attendre à quelque chose de bien ou est-ce que ça reste quand même du Moon Blade, c'est-à-dire un jeu développé par euh, des Grecs, des Turcs, des Turcs, voilà. Donc avec une saveur turque particulière. <laughs> euh, un budget turc en tout cas. Budget, un budget turc. Alors que c'est un jeu qui est très ambitieux pourtant. Ouais ouais ouais. Euh, eh bien, écoute, euh, non, c'est pas la peine de le relancer, avec vous, ah, euh, parce alors. que c'est un jeu très bien, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis le début de l'accès anticipé. Il y a des mécaniques qui sont devenues mieux, enfin meilleures, etc. Ça s'est un peu approfondi à certains endroits. Mais ça reste globalement euh, du Mountain Blade. Et c'est euh, pour ça que c'est assez compliqué à tester, parce que c'est un jeu assez extraordinaire, un espèce de bac à sable médiéval où on démarre euh, en étant euh, voilà, euh, à la tête de, de trois mendiants euh, en haillon mmh. et on finit euh, avec, euh, en tramalant une armée de 400 bonhommes euh, euh, sur une grande carte du monde. Et euh, donc, euh, on joue. Donc, à la fois, il y a cette, ce volet gestion sur la carte du monde, et gestion de royaume aussi, et en plus. Dès qu'il y a un combat, on joue le combat en temps réel avec tous nos bonhommes modélisés. c'est euh... toujours impressionnant, on a beau voilà. dire quand même, ça, est quand, quand t'as des armées, quand as 200 mecs de chaque côté et que toi tu te balades au milieu ouais. de tout ça à cheval et que tu défonces les têtes des mecs avec une masse d'armes. Tout en donnant des ordres à tes soldats, leur dire Ok les archers, allez tenez, tenez cette position, les cavaliers, suivez-moi, machin ben ». Maintenant, ouais, bah, maintenant tu attaque. peux faire des, des combats 500 contre 500 aussi. Ça, ça le PC tient il, il tient très bien, pour le coup, c'est bien optimisé. Donc c'est vraiment génial pour ça. Mais ça reste Mountain Blade... Et ça reste un peu bancal, non Il y a toujours voilà. un, cette interface. Un en peu... fait, c'est pas tellement que c'est bancal parce que je pense qu'on s'habitue. On s'habitue ouais, ouais. à tout. Oui, oui. euh, c'est pour que... à ce que public, donc on supportera. Voilà. Ouais. <laughs> c'est plutôt qu'il y a un manque de profondeur générale qui est ah oui. qu peut, qui, bah, qui peut un manque gêner. De profondeur. Ouais. Parce qu'on peut faire plein de trucs, mais tous ces trucs, on peut les faire euh, de façon très superficielle. Par exemple, on peut obtenir des villes. Mais euh, la gestion de ville, c'est très très sommaire. On peut rejoindre un clan et un et, et même un royaume, mais il euh, a pas de la seule diplomatie qu'il y a avec les autres royaumes, c'est euh, faire la paix ou faire la guerre. Ok. Tu vois, et tous les systèmes du jeu sont un peu comme ça. Il euh, y a une gestion de l'hérédité. On peut avoir des, des, des enfants qu'on va élever nous-mêmes comme ça quand nos personnages meurent, ils prennent la relève. Mais pareil, c'est on les élève, on dit bah toi tu vas plutôt faire du tir à l'arc et c'est tout. En fait, ouais. il manque à chaque fois pour chaque euh, domaine un peu de profondeur qui euh, le rendrait peut-être un peu un jeu, euh, enfin en ferait un jeu un peu plus consensuel, un peu plus grand public. Parce... Mais voilà, mais malgré tout, ça reste extrêmement bien. Alors, il y a un truc qui m'a rassuré dans le stream que j'ai vu c'est que moi, j'ai jamais pu m'habituer au combat. Je trouve que le combat était épouvantable. Et toi, je t'ai vu faire des tournois. Ouais. Et tu te démerdais très bien. <laughs> tu, les, tu, ouais. tu les massacrais tous, tu réussissais à parer et tout. Ce que moi j'aime, bon, je n'ai pas joué 200 heures non plus, hein, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre le mécanisme pour parer les armes, pour le les timings qui sont quand même très ouais, difficiles. Ouais, ouais. Il y a une inertie dans le mouvement des armes qui est assez forte. Et alors toi, qui doit avoir plusieurs centaines d'heures, hein, tu, te, voilà, tu les défonçais tous sans problème, c'était clac-clac, allez, toi, t'es mort. Et ça, ça m'enjouait aussi. Oui, oui, euh... Si je m'entraîne un petit peu, ça peut devenir. Ça, les, les combats peuvent devenir moins frustrants que ce qu'ils. Bah, qu Il y a, y a cette promesse qui a toujours eu dans les Mountain Blade, hein, avec, donc avec ce système de parade où tu peux attaquer dans quatre directions différentes en haut, le coup des stocks en bas, le coup de taille à droite, le coup de taille à gauche, et tu peux parer du coup du, de la même direction. Et un peu comme dans Kingdom Come Deliverance d'ailleurs, qui est aussi oui, un système bah, de combat très oui, est... difficile. Enfin, mais du coup, ça a été inventé dans Mountain Blade ouais, ouais. à la base. Et il y a toujours eu cette promesse du même si tu es euh, en, en. Si ton personnage est tout nu avec juste un, un marteau de charpentier, que tu es face à un énorme chevalier en armure avec une clé mort, tu peux en ser Tu en peux tout parer si tu es styles. assez habile. Ouais, euh, voilà. ouais. Et dans le multi notamment, il y avait beaucoup de ça. Et moi, j'ai passé des centaines d'heures en multi ce qui, contre d'autres joueurs, ce qui aide beaucoup à, ouais, ouais. À, à maîtriser le système. Mais du coup, tu retrouves un peu ce plaisir en solo aussi. Ok, euh, je crois qu'il est cher quand même. Je crois que c'est un jeu à 59. Hein. Euh, je vais pour l'acheter, moi ça m'avait est à 50, ouais. ouais, ouais. C est, c est... Bah, c un petit 29, ça aurait été plus sympa quand même. Ouais, parce que ouais. c'est pas... un beau jeu bien ambitieux et tout, mais mmh. il y a quand même ce petit parfum indé. Bah, avec ce petit problème de profondeur qu'il y a parfois, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais. Ok. Euh, on l'a testé dans le canard. Enfin, tu vas le tester dans le canard. Il est, est... Testé, il est déjà testé, euh... tu l'as mis combien Je lui ai mis 8 ça va c'est pas bah parce que c'est pas faut pas s'attendre à ce que ce soit la huitième merveille du monde mais c'est le meilleur Mountain Blade jamais sorti et c'est -ce déjà génial. Ce que je voulais signaler, c'est que le premier avait été beaucoup mis en valeur par ses modes. Il y avait eu des voilà. très très bons modes dans le premier. Bah, euh, et, et un peu trop, puisque là, par exemple, pour Bannerlord, quand et tu qu il es est dans sorti... le Game Pass, nous signale Billy, Billy Corgan 80. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien, mais pourquoi je l'ai acheté Je suis con. Il ne faut pas passer par le premier, faites directement le 2, hein, carrément. Et le premier, de toute façon, il ne faut pas y jouer, il faut jouer à Warband, mais c'est plus la peine puisqu'on a Bannerlord. Et ce que je voulais dire très rapidement aussi, c'est que quand il est sorti en accès anticipé, justement, ça manquait aussi de contenu, de profondeur. Bah, encore maintenant. Et du coup, bah, les joueurs ont eu beaucoup le, le sentiment que ça se reposait sur les modes qui ont euh, aidé vraiment à, à faire de Mortal Blade Warband en 2010 euh, le, un, enfin, un jeu vraiment extraordinaire avec des modes des totales conversions Star Wars, des, des modes qui rajoutaient du contenu, de la diplomatie, mmh. etc. Et du coup, il y a même des modeurs qui ont, qu ont commencé à faire des modes qui sont très bien. Par, je pense par exemple au mode Freelancer qui permet de s'engager dans l'armée d'un noble. Donc, tu n'as plus du tout le volet gestion, mais euh, tu es dans l'armée d'un noble qui te donne... Euh, d'une euh, armure et qui te donne des ordres en bataille, qui te dit bah, tu restes avec le groupe d'infanterie là, Donc vous là, allez contourner par la gauche. Ça, ça reste, si reste purement cool. de la bataille et voilà. ça va être cool les au Niveau immersif, ça doit cool. Tu peux gagner cool. des grades et tout. Ouais, tu peux gagner ah, des grades. Ouais. Mais le développeur de ce mode, du coup, à un moment, il a arrêté complètement en disant Non, mais en fait, on se fout de nous, là. C'est à nous, de, les modeurs, de finir le jeu bénévolement, mmh. de rajouter du contenu. Ouais. Donc, moi, j'arrête complètement euh, ce mode. Euh, voilà. okay. Donc, il y a eu un petit scandale à, à cause de ça. L'interface est toujours aussi, je regarde la police de caractère ah oui, est qui des... illisible est illisible avec les empattements et tout. C'est. Il y a plein de trucs, c'est très bizarre parce qu'ils se sont améliorés sur plein de choses, notamment les graphismes. Il y a plein de ouais. trucs qui sont restés. Par exemple, l'historique des combats en bas à gauche. Bas, dès que tu mets un mmh. coup d'épée, il t'ajoute plein de textes en bas à gauche pour te dire que tu as fait x dégâts. C'est très bizarre qu'ils aient pas amélioré ce genre de choses. On est dit non, il est pas dans le game pass. Il a 39 euros. 39 euros parce qu'il a moins 20% en ce moment. Et voilà. Voilà. Bon, 39 euros, c'est, euh, ouais, honnête. Oui, 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 oui. Ça offre. T'as du contenu Il faut. Ah oui, il y a du contenu. Moi, j'y ai joué plusieurs dizaines d'heures et j'y rejoue avec plaisir. Je, je préfère juste parler quand même de ses défauts pour que les gens sachent à quoi s'attendre parce que quand on voit les bandes annonces, ouais, quand elle... on m'entend dire, alors on peut faire un, un royaume, aller dans les batailles commandées, on se dit waouh, mais c'est le jeu de, de, je vais plus jouer qu'à ça jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. En fait, bon, faut faire attention quand même. Euh, c'est bombe. Alors toi, ton ah, toi, es jeu pas, es gentil. Pardon <laughs> Quand tu m'as choisi, mon jeu de la du moment. Bah oui, mais c'est toi qui as choisi. Bah, ah vrai, bah ouais que bah je... parce que c'est... Voilà, Call of bon, voilà, Il euh... le dernier stream qu'on a fait je crois. Ah c'est... Non, 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 non j'ai vu que tu le testais, je me suis dit, bah qui joues en ce moment. Bah oui. C'est ton jeu du moment. C'est ton the game fact. of the moment. <laughs> c'est vrai. Euh, Parle-nous un peu haha, de Call of Duty Modern Warfare 2... Vous ah bah, bah, mais... résumer par... Voilà. Voilà est ce que hein. je te disent. Call of de plus rien que, la, alors... rien que la bande annonce, mais c'est tellement ringard, les explosions, les. Ouais. Ah, juste d'hélicoptères avec mon gros fusil. C'est ça. Mais ce qui me rend c'est que c'est un genre qui n'a pas du tout évolué depuis. Enfin, moi, je, à l'époque, j'avais beaucoup joué, notamment, bah, j'avais fait un stream au Soldier of Fortune, le premier date de 2000. Et c'est exactement le même jeu, en fait. C'est toujours euh, des univers, un peu, des, enfin, des, des missions un peu différentes dans différents endroits du monde et tu promènes ton personnage et tu tues plein de gens qui sont des ennemis de l'oncle Sam, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours exactement le même jeu, c'est un genre qui n'a pas du tout évolué. Sauf que Call of, ils le font... enfin euh, Celui-là, c'est la suite de Modern Warfare de 2019, qui était un remake du premier Modern Warfare. Donc c'est pas un remake de Modern, mmh. Modern Warfare 2, de 2011, que je dise pas de bêtises ou 2014, je ne sais pas. Il y a plus. un lore pas possible. Ah ouais. oui, oui, ah oui, oui il, mais il y a vraiment de... un lore. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Tu sais que Ghost, celui qui a le, le, le masque de crâne, ouais. bah, le... eh ben, en fait, il porte ce masque parce qu'il était battu par ses, son père et que son frère portait oh. un masque de crâne pour lui faire peur. Ah, je lui lire bah... le lore. Je lui dis, tiens, c'est mon jeu du moment. Ouais, bah, oui. <rire> <rire> le lore de Call of Duty. Et donc, j'ai lu des dizaines de pages de, de trucs complètement imbitable, quoi. Et euh, mais donc voilà, c'est, euh, il existe vraiment un ordre. Mais il y a un truc qui a l'air très drôle avec celui-là, c'est que c'est un simulateur de crimes de guerre. Ouais. Alors justement, alors les gens ils ont dit ça, ils ont dit tu vois, ah, c'est affreux, il y a plein de crimes de guerre commis, c'est horrible. Et donc je, je me disais, hm, je vais me régaler, je vais <laughs> faire un test succulent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, alors oui, tu commets des crimes de guerre tout le temps. Le scénario n'a aucun sens. Je vous fais le pitch rapidement, <laughs> en gros, et c'est pas une blague. Vous combattez des Iraniens qui parlent arabe déjà et qui vont euh, vol, con, euh, collaborer avec des, un cartel mexicain de trafiquants de drogue ouais. pour faire rentrer aux États-Unis des missiles américains. Qui <laughs> ont été vendus à l'Iran, mais qui veulent refaire rentrer aux États-Unis ah ouais, pour Pourquoi? faire un attentat. Ah, pour faire un... pas, que... pas, pas pour l'Iran ben, ah, Moi, je crois ah, que ouais. Ouais. Rends, Tenez, on en, on en a plus l'utilité pour, <laughs> <leur rire> pour qu'ils aillent dans Et la poubelle jaune. Ce ouais. drôle, c'est que c'est des missiles. Euh, on te bien pour montrer que c'est très dangereux, c'est genre des missiles balistiques qui ont une portée de 6000 km, enfin un truc de dingue. Donc ils pourraient les tirer depuis le Mexique. Oui, <laughs> Et non. non, il faut qu'il les tirent Enfin, il n'y a rien qui tient non. debout. Ah, là, là, là. Du coup, c'est quand même assez drôle. t'as des missions qui n'ont aucun sens. Je crois que c'est la deuxième mission. Tu es dans le port d'Amsterdam. Et euh, bah, c'est celle-là d'ailleurs. Donc, tu as un mec qui nage avec un Bob, on comprend pas pourquoi. Ouais, si, elle est. Cette image, elle est fantastique. Le oui. mec qui sort de l'eau avec le Bob, qui... <laughs> <Oui>, tu <'es... rire> dis, mais, mais Jean-Pierre, enlève ton Bob. Le, donc, le port d'Amsterdam est complètement contrôlé par des terroristes iraniens qui sont en train de parler arabe avec, avec des trafiquants de drogue <laughs> colombiens. Et la police ne peut <laughs> la bombe. <laughs> et donc, tu tues des gens. Dire, mais comment, comment ils ont expliqué Le flic qui est venu arriver le lendemain, comment il a expliqué ça quoi okay. Bref, alors sinon, c'est incroyablement beau. C'est super ah, beau. Et donc pour revenir sur la question des crimes de guerre, en fait, tant t'en connais pas plus que d'habitude. Je veux dire, mmh. la Convention de Genève, elle est convenue. Cool. Des fois, on dit, ah, vas-y, achève les blessés. <rire> 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 et il euh, y a rien qui tienne. De toute façon, le truc qui est pas. À un t'es avec les forces me spéciales mexicaines, euh, tu fais un truc du bon au Mexique, et t'as les. On s'est attaqué par l'armée régulière mexicaine, qui nous prend pour des, mmh. pour des narcos, et euh, on va demander donc aux bon, aux potes forces spéciales américaines de faire une frappe. Sur l'armée mexicaine. Donc, je dis, attends, ok. Ah, c'est quand même un acte de guerre qu'on en euh... <laughs> sur la bon Et donc, ça n'a ça aucun sens. Et, okay. euh, et donc, oui. Mais et, et en fait, je me disais, en fait, on est blasé. Et c'est là du coup, ça, c'est mmh. intéressant. Tu as une scène, par exemple, qui est quasiment une reprise de la scène qu'il y avait dans le dernier, le Modern Warfare de 2019, qui est elle-même une reprise d'une scène dans Zero Dark thirty où tu vois une... Tu sais, on est en train de raider un, un bâtiment avec des terroristes et tout, y a de vision nocturne, tout ça, et tu as une meuf qui se baisse, on ne sait pas si elle va protéger un bébé, et en fait elle sort une arme, et donc on doit la tuer, et c'est là, oh, mon dieu, j'ai tué une dame qui avait un bébé, etc. Mmh. Et cette scène, elle a été refaite à l'identique, et ce qui est marrant, c'est que cette scène-là, je me rappelle que je l'avais faite en 2019, je m'étais dit... Ok, parce qu'un des gros problèmes de, de des call of c'est que c'est pas des bons, c'est même pas des bons films de guerre, tu vois. Il ouais. y a pas le côté sur drag Forty ou The Earth-Locker, ou euh, putain t'es comme ça sur ton siège mm -hmm. je dire qu'est-ce qui va se passer. Il mm -hmm. y a pas de tension, il y a rien, tu butes ouais, des mecs que rien à foutre. Et, euh, et du coup, ça marche pas. Même comme film de guerre. Et, et dans 2019, cette scène-là avait quand même marqué. Okay. Il dit ouais là, il y a un truc, tu vois. Euh, c'est dérangeant. Dérangeant. Euh, mais en même temps, où tu te dis. Bien fait. Bien fait, voilà. Et là, comme bah, ils nous ressortent la même scène, t'as <laughs> l'impression, et, et tout est pareil. C'est-à-dire c'est un best-of de Call of. Okay. Donc t'as des reprises de toutes les scènes. Euh, Mais est-ce que, que, est que, pour essayer d'être un peu positif, mmh. des fois je me posais la question quand j'avais plus rien à jouer, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de temps en temps, euh, genre par exemple quand tu le trouves sur le Game Pass, de te refaire une fois tous les 6-7 ans un Call of Duty bien crasseux, comme de temps en temps tu retournes au McDo et tu te prends, euh, Alors, tu te prends 40 euros de trucs et tu te mmh. bourres. Tu te et... 40 euros de McDo <laughs> <laughs> non, bah, j'ai bah, eu des périodes <laughs> difficiles dans ma vie comme tout le monde. Hein. Euh, voilà. euh... 40 euros, cela dit... Euh... Ah bah, non, mais un McDo normal, le... c'est 20 euros pour moi. Hein. Oh, ah, du McDo normal, c'est... Le... Maxi, ma Maxi Bestock, hein. Best Big ah. Mac Frit Coca, ah. 9 chicken, McNuggets, euh, sauce ah. euh, chinoise. Ah, là, un poulet supplémentaire mm, Non, et puis un petit, un petit dessert, un petit... Oui, 20 sais, balles, pas ouais, ouais, 20 balles hein. mais 40 balles, c'est 40. Gore, quand même. Ouais, mais des fois, tu sais, t'es triste. <laughs> et donc il dit allez je vais rajouter un autre cheeseburger je vais me prendre deux glaces et, et bon c'est le drame est-ce ah, que merde. ça vaut pas le coup quand même de temps en temps de s'en faire un parce que même si c'est ringardos et tout et ben t'as quand même cette le beauté spectacle. technique alors, voilà, pour, pour alors, le spectacle c'est une bonne question euh, alors déjà faut pas l'acheter parce que ça coûte 70 balles ah, oui. après si jamais tu l'as gratuitement sur PC j'entends balles ouais. sur PC euh, si jamais tu l'as gratos j'aurais envie de dire non même pas, parce, que, même justement, pas. parce que le problème, c'est que tu as mieux ailleurs. Mmh. Si vraiment tu as envie juste de défourailler des trucs, tu as des FPS bourrins où tu tires dans le temps. Si jamais... Et le problème, c'est que toutes les missions, quasiment, c'est ce, des remakes de trucs qui existent déjà. Ils avaient déjà fait dans, ce, dans Cold War une mission qui était une sorte de Stanley Parable qui marchait pas mal, parce que là, c'était un truc autocontenu, avec le côté un peu narration, machin, c'était marrant. Mais là, c'est des reprises, c'est des échantillons d'autres jeux. Mmh. Et je pense que c'est pas que c'est fait exprès, parce que ça s'adresse à des gens qui, généralement, vont jouer qu'à call-off, quoi, enfin, pour une grande oui, partie. Et puis, je pense aussi que ça s'adresse simplement beaucoup à des adolescents oui. qui arrivent à l'adolescence, qui n'ont jamais pu acheter un call-off, et c'est leur ça. premier call-off, et donc ils bah, découvrent, et ils vont dire « Génial !» C'est bon, un niveau là-dedans, c'est un niveau qui est très inspiré de Hitman. Bon, c'est du sous-Hitman, où tu dans une sorte de mansion d'un trafic en drogue, tu dois arrêter le, leur boss, là. Okay. Et il euh, y a un côté qui tu dois, voilà, être discret. Alors, il n'y a pas le côté déguisement trop, mais c'est surtout quand même euh, voilà, essayer d'éviter les gardes, les patrouilles, pas un très ouais. beau décor. T'as euh, un niveau où t'as de la survie du crafting, qui oh donne un petit côté dying light, light, où en gros t'es blessé, tu vas évoluer en cachette et tu vas récupérer des trucs et les bricoler. T'as euh, un niveau qui est une sorte de just cause, like, on l'a vu dans le trailer, où t'as des bagnoles et tu dois sauter d'une bagnole à l'autre, oui. comme dans un just cause, mais un just cause qui ne serait pas dans un monde ouvert, mais sur une ligne droite. Mmh, ouais. Et tu vois, t'as l'impression d'avoir des sortes d'échantillons de trucs qui ont bien marché dans le jeu vidéo et qui sont fournis là. c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Hein, visuellement, ça tue. Mais euh, mais ça apporte rien quoi. Ouais. dire, euh, autant mais... jouer. À, si vraiment as envie de bourriner, bah, achète vraiment un Just Cause. Quoi. Bah après, il faut dire ce qui est aussi, personne ne l'achète pour la campagne solo. C'est autre chose. C'est ah, pour euh... le multi. Moi j'achèterais je... vraiment pour, pour ça multi... moi. Hein. Ah, non, mais Moi reste, personnellement non. si je le, le relançais ça serait pour le solo. Puis, tu ne pas pas. Non mais ça serait pour me faire un truc dis. à grand. Tu sais comme de temps en temps tu te dis euh, je sais pas tu vois passer un Godzilla versus Spider-Man et puis c'est un samedi soir tu es seul tu es triste et tu as tu 40 as, euros de Godzilla voilà, de voilà, versus... voilà tes 40 <laughs> euros de McDo, il faut un truc à manger, il faut un truc à regarder en mangeant ça, tu te dis allez Godzilla versus Spiderman man Oui, oui voilà. mais non mais c'est deux choses différentes là. Euh, ce que je dis c'est que du, les, les fans de Call of Duty ils achètent le nouveau oui. Call of pour être oui, sur oui. le multi du nouveau. Call of. Oui. Ouais. D'ailleurs tu le vois en celui là parce que tu sais il y a toujours eu deux exés séparés pour multi et solo quand ouais. tu lances le jeu. Et là maintenant c'est même plus ça c'est que tu le lances tu lances le multi. Et tu as une petite option dans le menu multi qui dit lancer le solo. Ah ouais. là, ah ouais, ça ferme le jeu, ça lance un autre ça. exé. Donc tu vois que ah ça ouais, ouais. lance une fois et ouais. après tu ne plus. Et pour revenir à la question, moi aussi je me demandais, parce que je me dis, un truc militariste, ouais, des veux, fois, pourquoi as envie, pas T'as envie euh, d'avoir une grosse arme avec un silencieux et de faire ouais. poum, poum, poum ». Ouais, ouais et... je suis assez d'accord. Je en suis en fait, d'accord avec vous, mais je pense. Mais il y a plein de jeux qui font mieux. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est juste un mauvais FPS aussi, tu vois. Alors, ça dépend pourquoi. Les sensations de tir sont vraiment bien. Ouais. Le, mais, ils doivent quand même que... savoir les ouais. faire depuis longtemps. Est-ce que, que les, les quoi, ennemis sont des, bon. sont des bullets de sponge ou est-ce ils, est ah, ils ont commencé à faire ça. C'est vachement réaliste. C'est un truc qui est agréable dans, dans Call of, c'est justement le côté un peu cinématographique. C'est vraiment, tu as un mec qui sort d'une porte, tu tires, il tombe, c'est très rapide. Quoi. Et là, ils ont, com... ils ont rajouté des ennemis avec des, des, des... gilets pare-balles ouais. et des casques. Et il faut tirer dessus. Ah, et ouais. en plus, c'est une petite icône qui fait clink L'armure a été cassée. Et maintenant, tu peux oh le ouais. et, et ça, c'est. Okay. Et que c'est même pas. Il y a des jeux tu sais, où tu as deux tirs pour le headshot. Un premier, pour faire sauter le casque. Un deux, là encore, ça passe. Là, c'est pas ça. Là, c'est le truc qui a 300 points de vie. Tu dois vider un chargeur dedans. Ouais. Le casque. Et là, t'es là. Oh. Bah, moi, je ferais un Far Cry à la place alors. Non. Voilà. Si, à la limite, fais plutôt un Far Cry. Ouais. Alors, si vous voulez vous infiltrer, euh, faire pipi avec des silencieux dans un FPS euh, ou un TPS militariste, moi, je vous conseille plutôt Splinter Cell Blacklist. Aussi. qui est le, le dernier ou l'avant-dernier Splinter Cell qui est sorti ouais. et où on contrôle Sam Fisher euh, bah, qui s'infile du coup dans des trucs de terroristes ouais. au Moyen-Orient machin mais euh, avec une grosse vibe quand même euh, militariste euh, fusil etc c'est pas les Splinter Cell d'avant où on, fait on a juste un couteau ouais. donc on peut bourriner si on veut et là pour le coup c'est un TPS intéressant parce oui. que c'est pas juste euh, du rail shooting euh, ouais, ouais, ouais. tu peux customiser tes armes etc et puis, tu un filtre. Et puis justement contrairement à un McDo de la matière dessus as un truc à manger tu vois même si c'est pas forcément des bons jeux les Far Cry c'est quand même pas des ouais. chefs d'œuvre ni rien surtout les derniers mais c'est quand même des jeux c'est des bons shooters as plein de trucs à faire tu peux voilà et si jamais tu as vraiment juste de canarder des mecs nettoyer des camps tu peux le faire là tu as, as une mission de nettoyage de camp mais c'est d'une tristesse mmh. on te guide on te tient par la main t'es ouais. avec le chef de ton escadron et il te dit ah bah celui-là il est tout seul et il te le désigne au laser oh, la vache. et ils ont voulu faire genre de la balistique donc faut tirer un peu au-dessus de la tête de l'ennemi alors wow. la balistique c'est du hit scan oui, alors, bah, euh... mais là du coup il te dit tire deux trucs au-dessus. Et si jamais tu le rates, le mec le tue. Il l'achève. Ah et ben dis-donc, t'es pas très doué. Ouais, ouais. Et t'es là... Putain, mais enfin, voilà, ah, tu fais. Nettoyer tout le camp, mais comme tu le feras dans un mmh. hein, Far à tuer les mecs qui sont isolés, après un mmh. groupe de deux, etc. Bah, sauf qu'on te dit. Et sauf qu'on te dit lesquels tuer, dans quel ordre. Et euh, t'es là, mais c'est d'une tristesse. Ouais. T'as quelques ouais. scènes où après tu peux approcher. Y a, dans cette mission-là, après, t'as un truc qui est pas mal, c'est que t'as des hangars et tu peux les nettoyer de plein de différentes. Okay. Donc tu peux, par exemple, monter sur le toit, casser les grilles d'aération, jeter des lacrymogènes pour que les mecs sortent, ou tu peux tirer euh, à travers la fenêtre du toit, ou tu peux défoncer les portes avec du C4 et rentrer par en bas. Mais. Pff, voilà, ça c'est le genre de truc que normalement un jeu FPS normal ouvert te permet de faire de façon organique. Oui, c'est Là, c'est un script qui a vraiment dit ah ouais. on va donner un peu de liberté aux joueurs. Et ça, c'est ça qui est frustrant en fait. Ouais. Ça sera en test dans le canard... shooting, c'est pas mal. Est... Mais... Ça sera en test dans canard PC, et euh, donc ça aura pas un 9 sur 10. Probablement. Ah, voilà. <laughs> voilà. Ok, je pense que. Mais donc pour revenir sur le multi, oui, les gens ils jouent pour le multi. En plus, comme c'est un multi, où tu débloques des trucs. Quelque part, t'es un peu obligé chaque année. Il y a le moment où les gens l'achètent, ils repartent tous à égalité. Ils vont débloquer des perks et tout. Et voilà. Et tu vois, c'est est-ce que mine de rien les FPS où on joue d'un spec ops comme ça, enfin euh, un commando, euh, c'est de jouer oui. de ça Ah, non euh, mais il y a quoi bah, alors actuellement moi, si tu veux du bon chou, si Escape from Tarkov, ouais, c'est tellement, alors je suis d'accord, non ouais. je suis d'accord, oh, c'est veux bon, France éternelle éternel, je... non <laughs> je, je, je suis d'accord, mais ready, si or tu not, veux. Not, un... ready or Not, bon alors les mecs sont fachos, bon, pas tout, <rire> <dans> <rire> mais à part le fait que les développeurs sont fachos, Ready or Not, c'est vraiment un, c'est vraiment, c'est vraiment dans l'esprit de Raven Shield et comme ça quoi. Yep. Euh, mon jeu à moi du moment, je ne vais pas en parler énormément parce qu'on en, on en a déjà parlé en début d'émission et tout. C'était Victoria 3. Personne, hein. Non, si ça intéresse tout le monde, c'est dans les meilleurs ventes Steam, euh, ta gueule. Euh, C'était Victoria 3. Comment est-ce que je peux essayer de vous convaincre d'essayer Victoria 3 Je sais 3 pas comment tu déjà, vas pouvoir, hein. pas En nous disant que c'est plus compliqué que Iron. Non, c'est <laughs> pas que c'est plus compliqué. Je vais essayer de vous dire ça comme ça. Vous n'avez jamais joué à ça avant. C'est-à-dire c'est vraiment une expérience dans le jeu vidéo. Vous allez vous retrouver aux prises avec des concepts économiques. Qui est vraiment très intéressant, l'offre et la demande, les impôts, c'est passionnant les impôts, oh. les fonds d'investissement, <laughs> le développement d'un pays. Non, je vais vous dire ce qui est intéressant dans, euh, dans, dans Victoria 3, c'est que ça vous permet, que, comme de nombreux jeux paradoxes, il vous met vraiment, avec, il vous met, il vous met vraiment en face de, de vrais choix historiques et vous pouvez mieux comprendre pourquoi l'histoire a été dans un sens ou dans un autre euh, à tel moment. Là, par exemple, c'est un truc que Colas ne nous enseigne pas. Ouais, non, non. Ça, non, ça, je suis d'accord. Et il y a très peu de jeux, mine de rien, qui sont capables de le faire. Et avant, moi, je n'intéressais pas du tout à l'histoire du 19 euh, 19e siècle. Ça m'intéressait pas du tout. Tu sais, euh, Les grandes inventions. Voilà. Alors, j'aimais bien jusqu'à Napoléon, et puis alors après, quand c'était la Restauration, euh, tout ça. La démocratie. La, la démocratie. <laughs> voilà, ce qui s'est passé en 1870 et tout, ça, ça m'intéressait pas du tout. Et ben là, de le vivre et d'avoir à faire des choix dans cette période, ça m'a vraiment donné envie de m'y intéresser. Et notamment, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé au moment de la colonisation. Euh, et tu te dis, euh, bah, ils sont allés chercher, ils sont allés chercher les ressources qu'ils n'avaient pas. Parce que... Et toi, tu te retrouves à faire des choix qui ne sont pas des choix moraux. Non, non mais c'est vrai. Hein, moi, moi, par exemple, oh, dit, non, mais je vais, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec la Suède J'ai envahi, te... envahi le Texas. J'avais pas ouais. le choix. Ben non. Il me fallait du pétrole. J'avais plus de pétrole. Je voulais passer mon industrie automobile avec des, 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 des moyens de production plus développés basés à base de pétrole. Et ben j'avais pas de pétrole. On voulait pas on voulait pas m'enfiler Et ben j'ai dû envahir le Texas. Alors le Texas appartenait au Mexique. Ça a eu une guerre épouvantable. Hein. Ça a fait des dizaines de milliers de morts. Mais voilà, je suis content. J'ai eu j'ai mes plateformes pétrolières au Texas. Et du coup, il parlent de chez toi, au Texas. Pardon Ils parlent suédois au Texas bah, Tu vas voir qu'ils vont bientôt parler. <laughs> il y a des choix qui te disent comme ça est-ce que tu veux que l'école soit une école multiculturaliste ou est-ce que tu veux que l'école apprenne, apprenne aux gens à parler bien comme il faut mm. Je clique sur bien comme il faut, voilà. <laughs> et ça va parler suédois au Texas mm. et ça va pas moufter. Euh, non, vraiment, c'est un jeu très intéressant. Surtout, c'est une expérience que, voilà, il euh, n'y a, a vraiment que ce genre de jeu qui peut le faire. Et au-delà de ça, c'est quand même terriblement addictif. C'est que les guerres ne sont pas terribles. C'est pas un jeu qui est orienté sur le militaire. Euh, les guerres sont pas terribles, mais tu arrives quand même à faire des guerres sympas, mais euh, effectivement, c'est pas c'est pas des guerres faire... Non, mais bah, la fameuse guerre de la, la C'est des, guerre voilà. des guerres très abstraites qui se déroulent juste sur une ligne de front, tu pas à commander tes unités directement, c'est juste tu dis j'envoie un ou deux généraux sur cette sur cette ligne de front et puis selon ta technologie, selon les compétences de ton généraux, le nombre de casernes que tu as dans ton pays, tu vas gagner ou pas gagner. Mais honnêtement, bon, ça dérange pas. C'est vraiment un jeu économique où tu passes ton temps à surveiller des prix. Et je sais que ah, c'est pas sexy, vendu, ouais. mais croyez-moi. <laughs> croyez c'est addictif. Et au final, euh, je vraiment, je le, le recommande. Le côté empilement d'interface, parce que j'ai vu tes screens euh, du test, y a, on voit même pas la carte du monde tellement tu as de menus la ouverts en inutile, permanence. Mais ouais. l'avantage, c'est que les menus te permettent d'accéder facilement à tous les autres menus, et donc en fait, tu t'en sors pas mais, trop mal. Mais c'est pas un peu austère. Non, c'est mignon comme tout. Il y a une bande son, par exemple. J'en ai même pas parlé lors du test parce que, en je parle pas de la musique lors des tests. Mais tu as une bande son euh, euh, orchestre euh, ten, euh, style romantique et mmh. tout, qui est vachement bien. Non, vraiment le jeu est beau. Enfin, le jeu est beau. Le jeu est palé. Je Est-ce que faire. tu peux incarner euh, comme dans Cross Kings euh, un peu n'importe qui euh... Non, il y, y, y a aucune, y a, y a pas ce côté incarné en fait. tu inca incarnes vraiment l'esprit d'une nation. Oui, mais enfin n'importe quelle nation du coup. T as, t as, oui, n'importe quelle nation. Ah, mais, oui. mais mais t'incarne pas. Tu peux jouer avec la Corée, le Chili. Euh, tu peux jouer avec un micro État du centre de l'Europe qui, qui venait du centre-est romain germanique. Ah c'est trop enfin, bien ça. Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Okay. Euh, voilà, je vous le conv... Mais c'est toujours gagnable. Si tu commences avec un état ridicule, tu vas te faire tout. Le, le jeu est fait. relativement facile. Ouais, c'est comme un Firebase p... où il y a quand même des pays qui sont cheatés. Par une, une, une fois oui. que tu as compris, c'est quand même relativement facile de devenir la première puissance mondiale. et tout. En tout cas, par exemple, avec des pays comme la Suède et tout, qui commencent mmh. pourtant à la 30e position, tu, vois, mais tu peux devenir la première puissance mondiale. Avec des petits pays, ça doit être un peu plus compliqué, ouais, mais il y a toujours moyen d'optimiser. De, de, et c'est sur le Game Pass, je ne dis pas une bêtise. Hein. Euh, moi, j'ai eu la clé sur Steam, mais ça doit être sur le Game Pass. Et vraiment, un dimanche, vous vous, en, vous, vous embêtez. Essayez de vous dire, allez, je prends deux heures, j'essaie de m'y mettre, de comprendre un peu comment ça se fait, de prendre un petit pays. Par exemple, vous prenez la Corée et vous vous dites, je vais essayer de faire un peu plus de riz, juste ça. Et vous allez voir qu'à un moment, il y a un truc qui s'allume dans votre cerveau et vous vous dites, je veux il faire, du pétrole, je veux faire beaucoup plus de riz et, et je veux coloniser le monde entier. Vous allez voir, mmh. ça marche très bien. <laughs> euh, je vous propose qu'on se je termine. pas pour toi. <laughs> je vous propose. Non, c'est marrant d'ailleurs Victor 3, parce que il y a plein de gens. Alors tous les droits tard ont dit. Euh, ils, ont, ils ont même vandalisé la page Wikipédia en disant ouais c'est de la saloperie woke gauchiste ah bon pourquoi euh, ouais, ouais. voilà pour le coup bah parce que euh, bah euh, tu peux euh, par exemple l'immigration euh, ne pose pas de problème euh, social donc mm. moi j'ai fait une Suède multiculturaliste je voulais faire une Suède ultra progressiste sociale social démocrate comme l'a été la Suède enfin comme l'est la Suède maintenant donc je me suis dit j'ouvre les frontières et tout et je me suis retrouvé avec 25% de ma population qui était d'origine bantou bon, tu ouais vois. Et ça pose Pourquoi pas bon de... Pourquoi Bandou bah Parce que j'avais colonisé euh, ah, le Bénin. Ouais. <laughs> non mais parce qu'ils ils avaient, avaient plein de plantations de tabac qui, qui j'en avais besoin. Ah, bon, et donc bon, je les ai colonisés. Bon, voilà. Non mais après je leur ai installé des voies ferrées. Voilà, ah, voilà, c'est un dérapé des... C'est pour ça que c'est bizarre. C'est un jeu où tu peux quand même coloniser des, des, des continents entiers. Donc tu vois que des fois tu as des choix à faire. Mmh. Pour que ça marche, Tu as des choix à faire qui sont durs. As oui. des choix à faire. Des fois, on te demande oh, ben, vous, avez, euh, vous avez interdit l'esclavagisme, ce que j'ai fait évidemment. Mais dans les plantations euh, de thé dans tel pays, en fait, les propriétaires terriens, continuent quand même à, à maltraiter leurs travailleurs. Oui. Est-ce que vous voulez que ça continue ou est-ce que bon, il faut quand même que euh, oui. l'économie tourne Et vous regardez votre économie, vous dites. Non, il faut que l'économie tourne. Donc, <laughs> oh putain, des... donc tu peux quand même prendre vrai. des décisions, tu vois, qui sont, bah, qui sont des décisions qui ont été prises historiquement, d'ailleurs. Mmh, mmh. et, et voilà, donc les, 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 les gros droits tard disent, ah, c'est un jeu trop de gauche. Et en fait, tu te dis, putain, mais c'est pas un jeu... Bah oui, ça n'a pas l'air trop de gauche. Ah non, ça, ça a pas pas trop. Trop. Mais c'est historique. Enfin, c'est est historique c est c est, pas, est -ce enfin, que, que l'histoire est de gauche, en même temps. Le sens voilà. de l'histoire va vers la gauche, mais il vient de la droite. Oh, quand même. Ah oui, il, il vient de la droite. Oui, oui, oui mais il a... oui, oui, on oui, est oui, quand oui. même gauche Par rapport au temps médiévaux, Oui, on un peu Je d'accord ouais. qu'il y a eu des progrès enfin, sociaux quand même. C'est le Wokistant maintenant. <rire> <rire> l Louis XVI ne retrait pas son pays. Ah bah, euh, voilà donc Victoria 3 a trois C'est vachement bien, surtout si sur le, sur le Game Pass, ça vaut le, ça vaut le ça vaut le, le ça, ça vaut le temps d'installation. On va se terminer avec un petit quiz. Ah mais, ah bah oui. Culture. Hein. Alors un quiz culture difficile. Trois questions là. Cinq questions. Euh, oh là. Un deux trois cinq non mais cinq questions. C'est trop. Six c'était la question de trop à la fin. Ah ouais. Ouais je trouve. Moi cinq pour moi c'est le okay. le magic number. Euh, le petit euh, le petit générique s'il te plaît. Ça euh, sur, sur d'autres jeux. Alors, euh, quiz culture. Alors, comme d'habitude, je prends un jeu et puis de ce jeu, j'en tire une question vaguement, une vague oui. relation au jeu, mais voilà, c'est pour qu'on apprenne des choses. Euh, donc, comme d'habitude, vous mettez votre souris à droite de l'écran, vous entrez votre petit nom, mais vous avez déjà dû le faire euh, tout à l'heure pour le quiz d'avant. Euh, The Long Dark vient de dépasser les 10 millions de joueurs. Mm -hmm. C'est cool parce que The Long Dark, c'est vraiment un, un très très beau jeu. Il se déroule dans le Grand Nord canadien. Ah si, The Long Dark, c'est bien. Il y a eu jamais joué toi. Ouais. j'ai pas fait oh, mais oh, c'est c'est vraiment oh, limité non J'ai entendu c'est oui, oui, pas grande ouais. ouais. pas, pas grand-chose encore mais ça fait 10 ans que c'est en accès. Mais oui ça moi je me disais, voulais le faire parce que Moquette l'avait testé, enfin il avait fait leur access, oui. il avait dit c'est vide. Alors je m'étais dit ça me plairait bien mais je vais attendre qu'il sorte. Et il est jamais sorti Franchement, c'est une aventure survie vachement bien. Quand on est à c'est un des rares jeux où j'ai dû j'ai dû tirer au fusil et en me disant vraiment cette balle elle compte. Cette balle, okay. si, si je réussis pas à la mettre dans la tête de l'ours, eh ben je sais que je vais en chier pendant les 8 heures qui suivent. Mmh. Si je la mets dans la tête de l'ours et que je peux me récupérer une petite fourrure, eh ben ça va être le bonheur. Dit-il enroulé dans un plaid. <laughs> <laughs> euh, The Long Dark, qui vient donc de dépasser les 10 millions de joueurs, se déroule dans le Grand Nord canadien. Mais quel est le territoire canadien le plus septentrional eh oui, Le plus haut, au nord. Déjà, faut savoir. Ah oui, le, plus nord, le plus au nord, septentrional, ouais. le plus au nord. Est-ce que c'est... Tu peux lancer la question, voilà, la question va se lancer. Ah oui, c'est culture, hein. Ah oui, non, mais c'est la, la vraie culture. Et puis là, c'est niveau du... Question pour un champion. Est-ce que c'est le Manitoba, le Saskatchewan, le Nunavut ou le Yukon Les, Le territoire canadien... Ta gueule, chat. Le territoire canadien... <laughs> J'en veux pas de tes critiques, chat. Le, le, le territoire canadien qui se trouve le plus... Oh, ta gueule. <laughs> Le trouve, can... le, le, trouve. Le, le, le territoire canadien, c'était le Nunavut. Alors, oui. voyons voir le niveau de culture géographique du chat, par curiosité. Ils ont tous été regardés sur Google Maps, je les connais. Hein. Oui. Oui, c est c est vrai, des ça, sur le. C'est des espèces. Mais moi, on a trouvé. On n'a oui, a a a pas droit à un mot de remerciement Non, mais bravo. Alors, ouais, mais ça sent beaucoup le Yukon. Non, mais ça sent. ça sent tellement le. Tu trouves la Victoria 3, Tu es parti dans des. Non, je fais toujours des trucs un petit peu géographiques comme ça. Euh, Vampire Survivors vient de sortir en version finale sur Steam d'ailleurs c'est Sebum qui le oui, pour le prochain numéro beaucoup de euh, il addictif, ouais. ah, est addictif c'est du et crack ouais, ouais, c'est vraiment c'est dégueulasse tu te sens sale après ah oui. mais, mais c'est un jeu t'en as même pas tiré un bénéfice tu oui, oui, c'est comme le McDo à 40 euros tu sais que as mangé du caca et qu'après sur les toilettes ça va être difficile il va y avoir des moments douloureux mais bon tu le fais tu sais pas pourquoi Vampire Survivor est sorti en version finale sur Steam il y a quelques semaines quel acteur n'a jamais interprété Dracula au cinéma. Ouh. Ah, et oui, car il faut aussi parler aux cinéphiles euh, du chat. Est-ce que c'est Al Pacino, Bela Lugosi, Christopher Lee ou le formidable Klaus Kloski, Kinski euh, de, ah, de, de Aguilar euh, que j'ai revu encore il y a pas longtemps car a... euh, f... il est incroyable. C'est incroyable, c'est fantastique, T'es f... es hypnotisé pendant tout le film, tu Agir 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 ou la colère de c'est pas, euh, pas le, for... le formidable Kloskinski euh... ah, non, le... ah non mais après non, mais il a fait l'intérieur Non non mais c'est ouais. une correction oui. mais alors comme acteur il est euh... et puis il est, il est les décors et tout Oui ouais. Oh, c'est Al Pacino du coup non Oui c'est Al Pacino. Ouais alors je pensais que les gens allaient tomber dans le piège parce que Al Pacino il a joué quelque part il a joué dans euh, La société du diable tu sais euh, où il jouait euh, il jouait le diable en fait. Ah, ah oui. okay. Il jouait avec avec qui est nous qui nous Reeves. Qui est nous ouais. Kianu. Eh, ouais tous les Bela autres Lugosi. ont joué Bella Lugosi c'était le premier Tu bah, oui, sais le film bah, de qui est aussi de Herzog sur euh, où il transporte un bateau. Partie une montagne. Oui, oui. Fitzgeraldo. Fitzgeraldo. Oui, très bien. Et c'est aussi une histoire en Amérique du Sud. C'est ça. Et il est fou. Et Verla Razok, c'est génial. Ils ont Tu que deux figurants sur le tournage, quand même. Pas du tout. Ouais, À chaque fois, les tournages, c'était épouvantable. C'était des bouches. Bah, Agir, ouais, c'est connu. Alors, Al Pacino, bon, il n'y a pas eu de piège, en fait. Voilà, je crois que c'était difficile, mais non. C'est juste moi qui n'ai aucune culture cinématographique, parce que moi, je n'aurais pas su quoi répondre. Oh, celle-là, elle est faible. Alors, vous allez voir le rapport. The Witcher vient de fêter ses 15 ans, le premier The Witcher. Alors attends, The Witcher vient de fêter ses 15 ans, désolé. Hein. Dans quel pays aurait-il droit d'acheter de l'alcool <laughs> <laughs> Ouais, on en est là. <laughs> ouais, J'ai fait ça dimension. Tu dimanche, veux qu qu'on te dise bravo aussi à la fin de ce quiz ou pas C'est San Marin, les Pays-Bas, le Brésil ou le Mali. Oh, je sais pas du tout. Euh... comment tu veux que je connaisse l'âge où on achète de l'alcool au Mali C'est clair, <laughs> facile. Va bah, comme le chat, tu vas sur la Wikipédia en vitesse, tu fais clic clic clic. San Marino, je savais même pas que c'était un pays perso. Si, bah San Marino. Allez, je vais dire les Pays-Bas. Alors c'était le piège parce que les Pays-Bas ils ont une législation permissive. Pour ça non c'est le Mali. Ah d'accord. C'est un des je crois qu'ils sont deux dans le monde où tu peux acheter de l'alcool à partir de 15 ans, T as le Mali et je sais plus quel autre pays et tous les autres les... c'est 16 à 100 marins et 18 aux Pays-Bas euh, et au et au Brésil, voilà. 15 ans, Alors là je oui, voilà, c'est très les... les résultats sont très ventilés, sont très voilà, il ouais. n'y a pas trop d'homogénéité. Euh... c'était le Mali. Bon, voilà. bah, vous... mais vous avez appris quelque chose. C'est vrai. Voilà, voilà. Prochaine vacances au Mali. <laughs> voilà. On y va depuis de 15 ans, euh, il ouais, ouais, <laughs> <laughs> euh, La prochaine aussi est pff, pathétique. En plus, euh, ouais, elle est vraiment difficile. Sega a annoncé que la franchise Sonic the Hedgehog a dépassé les 1,5 milliard de jeux vendus depuis 1991. En comptant les free-to-play et, enfin, et les downloads de free-to-play mmh. sur smartphone. Parce ah, que sinon, oui. 1,5 milliard, c'est même pas les niveaux oui. de Mario, de GTA et tout. Bon. Oui. Euh, mais ils ont annoncé ça dans leur dernier euh, résultat, sûr, démarre, hein. résultat financier. Oula. Si Sonic est vraiment un hérisson, il est allergique aux noix, intolérant au lactose, intolérant au gluten ou diabétique. <laughs> c'est de la biologie, c'est facile. Euh... Les hérissons, ils sont quoi Les hérissons intolérants au lactose. Ils sont intolérants au lactose. Ah ouais Je me dis ça. Et ça, c'est important parce que souvent en France, on peut, on peut se retrouver avec un jardin et des petits hérissons. Mmh. Mais c'est des mollifères placentaires Voilà. Pardon et ils boivent bien du lait. et eh ben ils sont en tonqués, ils sont intolérants au lactose. Les humains aussi peuvent être intolérants. Oui c'est vrai. vrai. Et d'ailleurs honnêtement on est intolérant au lactose. Oui. oui. parce que moi quand je bois du lait. Ah mais arrêtez. On l a dit avant l'émission. Arrêtez le fromage, arrêtez le lait. Hein. Non il faut prendre du lait matin léger sans lactose. <laughs> mais si. Mais vous connaissez. <laughs> mais vous connaissez pas Attends, le lait tu sais... matin léger. Le. vendent plus clair que Le lait sans lactose c'est le lait de soja. Ça c'est très bien. Tu as du lait sans lactose qui s'appelle le matin léger. C'est du vrai lait de vache. C'est du vrai lait de vache. Moi, je bois ça tous les matins avec mes, mes Country Crisps. Et suis comme c'est fait avec tendres. du soja avec vous. Mais oh, qui m'énerve. <laughs> mais du lait sans lactose. Mais, mais tu t'entends. Mais ils, en... ils enlèvent le lactose avec un aimant à lactose. <laughs> Avec des toutes petites... Euh, c'est de incroyable que ça existe depuis 20 ans, le laissant la clause. Okay, je ne ben, que ça. Voilà, matin léger. Bon. Ils trompent son pas sans gluten dedans. <laughs> <C 'est rire> une bonne journée, <laughs> qu quelquefois. Vous ne <laughs> connaissiez pas. Hein. OK, OK. Euh, dernière question. Oh, celle-là, elle est bien. Elle va plaire à Uziel, parce qu'elle est de gauche. Euh, Activision Blizzard s'est encore fait accuser de propagande antisyndicaliste, cette fois à cause d'un message de cette directrice de la communication envoyé aux 18 000 employés sur Slack. Sur Slack, au grosso modo, elle a dit... Les syndicalistes et des salauds, attention, méfiez-vous. Bon. Quel est Le pays. Le plus syndiqué au monde Est-ce que c'est oh. l'Islande, le Luxembourg, le Vatican ou la Suède Le pays le plus syndiqué au monde, avec un taux, je vous le dis, de 90%. What? Ça rigole pas. Ouais. C'est CGT Land. Euh... Wow, je sais Il y a pas. Il l'Islande. Ouais. Ou c'est peut-être le syndicat du Vatican. Le... Mais ils, sont... ils sont pas beaucoup, ils sont trop chers. Sont... Ouais, Comme ils sont très dire. peu nombreux, c'est ouais. vrai que du coup, ça, bah ouais. Mais je veux dire Mais non, c'était l'Islande. Ils ouais. sont ouais. syndiqués à 90%. Bah, L'Islande, pareil, ils sont pas très ouais. nombreux. Ouais, — bah, En France, ouais, en France ils, ils, sont que, ils sont 370 000 en Islande. Ouais. Donc c'est euh, 370 000. C'est genre... Rennes, ils sont ouais, 370 oui, 000. 000 ouais. C'est comme ça. Donc c'est des villes. Mmh. Euh, Est-ce que vous savez à combien on est en France, visuel ?— euh, Le taux de syndicalisation ouais. en France on, je sais pas, Alors, euh, estimation, euh, hein, parce que c'est difficile. C'est que les élus déclarent 3 %.— Non, c'est entre 7 et 11. Ouais. Voilà. 7 et 11 ouais. %.— Ça doit dépendre aussi beaucoup des filières, évidemment. Euh, — Oui, oui, oui. oui. — Pas des, ouais. des domaines. Voilà et bien écoutez messieurs il est bravo Lord qui va recevoir oui oui Lord dizise pardon en plus qu'on connaît bien qui est souvent sur le chat du stream qui gagne un mud envoyé à la main par Louis Ferdinand non par François pas François et bravo pour ce quiz merci Non, celui-là a été le coup du Mali je t'avoue c'était dur mais même le hérisson non, le On apprend des choses. On apprend des et choses. C'est vrai, C'est vrai. Non, mais la prochaine fois, je le ferai un peu plus facile quand même. Un truc un peu non. plus par géo, question pour un champion, parce que là, celui-là était un, un peu. Non, stylé, quand c'est facile, peu... on n'apprend rien. Ben bah oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. vrai. que Là, vous mmh. avez appris des choses et du coup, vous empoisonnerez. Vous empoisonnerez pas un avec du lait. Euh, normal. Si ouais. jamais il y en a un qui traîne dans votre jardin comme ça. Où, regarde, euh... y avait quoi, tous les gens qui bon. nous regardent, t'as sauvé la vie de peut-être plusieurs hérissons ce soir. Exactement. C'est vrai. Les hérissons devraient me dire merci. On devrait faire des quiz où le but c'est juste de sauver la vie des gens en fait. Oui. De sauver la vie des animaux. Le prochain quiz culture ça sera ça. Comment ah, sauver, les... sauver la vie des animaux. <laughs> euh, messieurs dames, c'était un plaisir comme d'habitude. Enfin, Non messieurs, c'était un plaisir comme d'habitude euh, de faire cette émission avec vous. Mais de même. De même. Euh, c'était un plaisir aussi de la faire avec les gens du chat qui n'ont pas été. Trop dégueulasse cette fois-ci. Grâce à la modération. Gra évidemment, un poussou, euh, un poussou à tous les modos, euh, sans qui euh, le chat serait euh, un marécage puant, on peut le dire. <laughs> euh, merci à Chat comme d'habitude qui nous a fait une émission parfaite. Alors que. Il y avait des petits problèmes de stabilité du PC au début. Oui, oui, oui. Et ça n'a pas frisé parce que Chai s'est dit non, je vais tout réinstaller, vous inquiétez pas. Je crois qu'il a reprogrammé le BIOS. Il a rebâti et... le PC à la main. Ah, en, mais il en a live. La carte là, mère. Pendant que l'émission <laughs> était là, il a fait du hot swap de cartes graphiques. On, on, on voyait les étincelles voler. <laughs> ouais, euh, ouais, euh, non, non, <laughs> c'était impressionnant. Et puis, euh, et puis sinon, quest ce qu'on peut remercier La vie, tout simplement. Tout simplement. Voilà, merci, la vie. Beau. Euh, et sur ces belles paroles. À méditer euh, au revoir le plateau Au revoir le plateau, c'est vrai qu'on dit au revoir au plateau pour de bon. Oui. Ah oui, on oui au revoir le plateau. plateau Oui, oui, au revoir, au revoir le plateau. Voilà, il nous manquera. Il, ah, il était beau en plus, hein. il, était, il était très... très il très, était très beau Il ouais. ouais. faux <laughs> Et puis, on vous donne rendez-vous euh, bah, dans deux semaines, c'est Ken qui présentera ah, l'émission. Ouais, par contre, ce sera en... en... Mais ce sera en... distanciel. distanciel. Comme on dit. En vidéo. D'ailleurs, on ne dit jamais en distanciel, on dit en distanciel comme on dit. <laughs> comme on dit. Oui, on dit jamais on dit ouais, en distanciel tout le comme On dit présentiel comme on dit. Euh, un stream bientôt Non. Euh, non. Demain, je suis en du de Vampire Survivor. Oui, tu m'as dit ah, tout sur... à l'heure. Ouais, ouais bon, allez. Franchement, ça marche le Vampire Survivor. Bah, Moi, que, je termine. Mais tu penses à faire du sub Ouais, ça fait, ça fait, ça va faire de la Ne le faites pas mentir. Non, mais c'est très visuel. Tu sais, souvent les gens, ils regardent un stream avec un, un sur le moniteur d'à côté en jouant leur propre jeu et ça leur fait des trucs colorés sur le côté et ils sont contents. Mais on n'est jamais que des trucs colorés sur un deuxième oui. écran. Hein. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que, euh, Vampire Survivor, tu peux y jouer avec une moitié de ton cerveau. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ah, clair. Et avec l'autre moitié, tu peux parler d'autre chose. C'est vrai, c'est pas tu bête. Tu parles de la politique. Euh, tu parles ah, de... De... On parlera de la de... colonisation. voilà. Exactement, exactement. <laughs> Messieurs, dames, on vous souhaite une très bonne nuit. On vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci tout le monde. Salut.